Ok, on va aller vite. Alors, je vais commencer avec, je voudrais, oui, ça fait quelques jours que j'étais absent et je n'étais pas avec vous. Pour commencer, je voudrais d'abord saluer déjà tous ceux qui sont connectés, tous les Ivoiriens, dans leur ensemble. Voilà, dans leur ensemble, je voudrais d'abord vous saluer, vous dire bravo d'être connecté. Ça fait quelques jours que j'étais absent. Mais Dieu merci, je suis de retour. Je suis là. Voilà, je suis là. C'est un peu stratégique. Il a fallu que je me repose un peu, tellement fatigué. Voilà. Alors, ce matin, je suis là pour donner, pour parler de l'actualité politique. Dans ces jours, l'actualité a été riche en événements. L'actualité a été riche en événements. Alors, je suis là ce soir pour donner un peu mon opinion ce matin, pour donner mon opinion sur certains points, sur certains points, sur certaines choses qui ont été dites. Voilà. Voilà. Je suis là pour dire ce que je pense. C'est Zasso, Patrick. Oui, salut. Oui, salut. Soyez salués du Mandi Alpha. Konaté, la joie. Tout le monde, soyez salués. Alors, on va parler ce matin, on va parler des rumeurs de déstabilisation dans l'armée. Voilà. Cette semaine, il y a eu beaucoup de rumeurs de déstabilisation pour troubler la quiétude des Ivoiriens, diviser notre armée, ramener encore notre armée à ces crises inutiles qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous savez que je l'ai dit et je le répète, que aujourd'hui où nous sommes, nous sommes tous condamnés à prendre conscience pour l'avenir de notre pays. Moi, je l'ai dit et je le répète, l'histoire a voulu qu'à un certain moment donné, nous soyons là où nous sommes. Ce n'est pas une fatalité, mais je pense que pour moi, c'est que là où nous sommes, ça nous permet aussi de prendre conscience, de comprendre beaucoup de choses, voir comment le monde évolue, comment la politique se fait à l'extérieur. Dieu avait voulu que nous soyons là pour comprendre tout ça. Aujourd'hui, j'ai compris, étant ici, que la politique, on l'a fait pour le peuple. La politique, c'est du réalisme ici. La politique, c'est du concret ici. C'est-à-dire, c'est changer les conditions, c'est-à-dire que les conditions de la population. La stabilité, la paix, l'emploi, l'éducation, ce sont les priorités des hommes politiques ici en Europe. J'ai été au Ghana, c'est la même chose que j'ai vu. Le Ghana qui a connu des moments de troubles, de violence à un certain moment donné de son histoire. Aujourd'hui, le Ghana est devenu un état de grande démocratie, de paix et de stabilité. De paix et de stabilité. Aujourd'hui, je suis en Europe, j'ai fait beaucoup de pays de l'Europe quand je suis arrivé. C'est pourquoi dans mes prises de position, beaucoup ne comprennent, mais je comprends, beaucoup ont compris. Mais je continue de le dire que ce qui doit être ma priorité, notre priorité à tous, c'est la stabilité dans notre pays. Nous avons un beau pays. Ici, quand tu parles à le blanc, il te dit, mais vous venez d'un grand pays, premier producteur de cacao, vous êtes ceci, vous êtes cela, la Côte d'Ivoire est un beau pays. Est-ce que vous comprenez? Et le combat que nous ne menons pas pour nous-mêmes. Nous le menons pour les générations qui sont là. Parce que la première génération, cette génération des Fessi et autres qui étaient là, ont accompagné dans nos aînés dans la violence, dans la haine. Notre armée, à un certain moment donné, s'est impliquée dans l'instabilité totale dans notre pays. Parce que les hommes, nos militaires et autres, ont été manipulés à un certain moment donné de l'histoire. Pour combattre Oufuor Boigny, les gens, par manque d'arguments, ont utilisé d'autres voies.
et autres en utilisant aujourd'hui l'armée. C'est pour ça que je voudrais saluer mon grand frère Doumbia Major, qui a fait une vidéo la semaine passée où il expliquait la crise ivoirienne. Je pense que Doumbia Major a dit tellement de choses, à 90%, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup, beaucoup de choses à 90%. Ce matin, je suis là pour donner mon opinion claire sur cette histoire des discours de déstabilisation, des débats sur la réconciliation et la libération des prisonniers politiques. Je donnerai mon opinion sur la fête de la liberté à Gagnoua du camp Sangaré et le congrès du RDR qui s'est déroulé hier, où j'ai écouté le discours. J'ai même publié le congrès sur ma page pour permettre aux Ivoiriens d'écouter le discours de Ouattara, l'actuel président d'honneur du RDR, ce que j'ai toujours salué, accepter d'être président d'honneur et donner la place à une nouvelle génération, donner la place à de nouvelles personnes. Moi, je pense que ce sont déjà des avancées. C'est ce que j'aurais toujours souhaité pour le PDCI RDA. C'est ce que j'avais toujours souhaité pour le FPI. Bon, malheureusement, la machine est arrêtée, c'est bloqué. On ne joue qu'au nom d'une seule personne. Au PDCI, on ne joue qu'au nom de Bédier. Au FPI, on ne joue qu'au nom de Gbagbo. Alors que nous sommes dans un combat où nous sommes appelés à tomber, où nous sommes appelés à perdre le pouvoir. Mais à un certain moment donné, il faut prendre conscience. Il faut connaître, comprendre que le combat, c'est la continuité. Dans l'autre temps, il faut mettre une nouvelle équipe pour continuer le combat. Mais si on bloque la machine, on dit non, c'est lui la seule, parce que c'est lui le père fondateur, c'est lui qui doit nous donner la liberté, c'est lui qui doit nous donner la paix, c'est lui qui doit changer, alors qu'il a déjà eu un mandat. 30 ans d'opposition, 10 ans de pouvoir, c'est déjà trop. Moi, ma génération, nous avons pris conscience de cela, qu'il faut avancer. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ça marchait. Dans la vie, il faut savoir avancer. Voilà. Alors, concernant, j'ai écouté le ministre Ahmed Bakayoko. Je ne croyais pas à ces rumeurs, mais après j'avais écouté le ministre Ahmed Bakayoko. Alors, je vais partager un peu ce qu'il a dit avec vous. Voilà. Oui, je vais vous mettre juste un petit son. C'est important pour vous. Le temps de vous connecter. Voilà. Alors, le grand Félixon Padon. Merci, grand frère Wilson Pado. Alors, chers amis, on va rapidement écouter Ahmed Bakayoko qui se prononçait. C'était, attends, au cours d'une cérémonie. Voilà, donc chers amis, on va écouter le ministre Ahmed Bakayoko
suite aux rumeurs de déstabilisation, voilà, du régime actuel, ce qui a toujours été l'esprit de certains Ivoiriens et certains hommes politiques qui n'ont plus d'arguments. Moi, je l'ai dit, je ne peux pas être dans un pays de paix, de stabilité, et puis passer mon temps à encourager l'instabilité dans mon pays, encourager les gens à faire des coups d'État, à s'accrocher aux coups d'État. J'ai fui, quand tu as fui la guerre, que tu t'es réfugié, tu t'es retrouvé là où tu te retrouves. Ton premier combat, c'est de faire de sorte qu'il y a la paix et la stabilité pour ceux qui sont restés au pays. Parce que pour toi, c'est parce que moi, je veux être, je veux vivre, que je suis là. Je ne peux pas être ici et me battre pour que dans mon pays, on utilise toujours des armes pour tuer des citoyens, que l'armée, la police, les citoyens s'opposent. Ce ne sera pas mon combat, je suis désolé. Tous ceux qui veulent, ils sont libres de dire ce qu'ils pensent, mais c'est mon opinion personnelle à moi. Je n'encouragerai jamais les coups d'État, ni l'instabilité, la déstabilisation des régimes dans mon pays. Il faut maintenant passer à autre chose. 20 ans que notre Côte d'Ivoire a courbé sous le poids de la violence et de la haine. 20 ans que nos hommes politiques se sont affrontés. 20 ans que les Ivoiriens se sont affrontés. Ils se sont entretués pour des trucs inutiles qui n'ont rien apporté ni à la jeunesse qui a été utilisée, manipulée, même à l'armée. Sinon que ça, ce ne sera que des morts. On n'a connu que des morts, des humiliations, des réfugiés. Sur tous les régimes, depuis le régime Béthier, Gueye, Gbagbo, Ouattara, nous avons connu trop de problèmes. Aujourd'hui, il faut prendre conscience et il faut passer à autre chose. Il faut prendre conscience, il faut passer à autre chose dans l'intérêt de tous ces Ivoiriens qui sont là. Ces faibles, ces pauvres et tout le monde qui sont là. De ces milliers d'Ivoiriens qui n'ont pas d'emploi. Des gens qui n'ont pas de logement, qui veulent se reconstruire. Il faut maintenant les rassurer, il faut leur dire. La Côte d'Ivoire, on est capable de faire changer les choses. On est capable de transcender nos colères, nos haines, se mettre ensemble et bâtir une nation forte. C'est le sens de mon combat de là où je suis. Chers amis, je voudrais dire sincèrement aux gens qui se cachent dans l'ombre et qui pensent qu'ils vont encore manipuler l'armée. Parce que mes prochaines vidéos, c'est toujours de m'adresser à l'armée de Côte d'Ivoire. Notre armée, ici dans les pays développés, l'armée participe à la construction des États. Ces armées qui sont ici ont participé à la Première Guerre et à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, les armées ici, c'est une institution dans des pays. C'est pour ça que j'encourage actuellement ce qui est en train d'être fait. L'actuelle politique du ministre, de l'actuel ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, j'encourage cela. Il faut discipliner l'armée. Il faut réorganiser l'armée. Il faut faire comprendre à l'armée que la stabilité de la Côte d'Ivoire viendra de votre stabilité, vous-même, vous les militaires. Et quand vous êtes militaire, vous n'êtes pas militaire pour accompagner les hommes politiques dans l'instabilité totale dans un pays. Faire le jeu des hommes politiques, contribuer au coup d'État et autres, ce n'est pas votre travail. Vous êtes armé. Quand le pays est attaqué, vous allez défendre le pays. C'est pour ça que vous êtes militaire. Vous êtes militaire pour participer à l'éveil des consciences dans des pays. Romney Sounou l'a dit au Ghana. Comment elle a réussi à transformer la conscience de l'armée au Ghana? L'armée participe au développement dans tous les grands pays. S'il y a la discipline de la population, c'est parce que l'armée a compris qu'il faut discipliner la population. Si on n'arrive pas à discipliner la population, on ne peut pas construire une grande nation. Il faut discipliner les hommes politiques. C'est le travail de l'armée. C'est le travail de l'armée. L'armée n'est pas là pour faire le coup d'État. Non. Vous êtes là pour protéger le peuple. Vous êtes là pour protéger les citoyens. Ceux que vous protégez sont d'abord vos frères. Sont vos cousins, sont vos amis, y compris tous ces étrangers, ces investisseurs. Donc c'est un grand défi pour vous, vous les soldats, vous les militaires, vous avez un grand défi vis-à-vis de votre pays. Vous êtes des citoyens de ce pays, vous êtes des vrais patriotes. La patrie, c'est à vous de défendre la patrie. Les débats politiques, ne rentrez pas dans les débats politiques. Parce qu'aujourd'hui, nos hommes politiques en Côte d'Ivoire ont compris qu'ils n'ont pas d'arguments. Comme ils n'ont pas d'arguments pour convaincre le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accrochent, ils se cachent derrière les militaires. Ils s'accrochent derrière les coups d'État, les rébellions. Même cela même est devenu la mentalité même de certains Ivoiriens. Quand un régime au pouvoir, certains sont contents, ils sont prêts à encourager l'armée à déstabiliser les systèmes politiques.
parce qu'ils n'aiment pas ce système politique. Et ça a été notre comportement, nous, en tant qu'Ivoiriens, à un certain moment donné. Aujourd'hui, nous payons le prix. Et c'est ce que mon frère Doumbia Major a expliqué. En 2000, en 99, on a fait partie Bédier. Les Dogoblés et autres se sont accrochés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les militaires ont passé leur temps à soutenir les hommes politiques. Ils ont déstabilisé le régime Bédier. Et cette déstabilisation, ce coup d'État a été soutenu par les hommes politiques. C'est pour ça souvent quand je suis assis, j'entends mes amis du FPI, des propres Gbagbo qui sautent. Nous, on n'a jamais fait coup d'État, on n'a jamais soutenu rébellion. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et c'est ce que Doumbia Major disait, c'est qu'on a le courage de dire, nous, on a pardonné. Vous allez pardonner à qui? Vous allez pardonner à qui? Vous avez participé à la déstabilisation des régimes dans ce pays? Donc, vous allez pardonner à qui? On a accepté lui-là, on a pardonné. Est-ce que vous, quand tu vois là, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Personne n'a le droit de pardonner à son ami. Tu vas m'accepter, tu vas me pardonner en tant que qui? Tu es Ivoirien, je suis Ivoirien. Voilà. Tu es Ivoirien, je suis Ivoirien. Non, je suis d'accord quand Doumbia Major disait ça la fois dernière dans sa vidéo. J'ai publié la vidéo. Parce qu'il a dit tellement de bonnes choses. On a utilisé la fessie. C'est pour ça la fois dernière, quand la fessie a commencé ses mouvements sur les cités universitaires, j'ai dit à Candia et j'ai dit au ministère de la Sécurité et autres, la fessie doit aller à l'école. Ceux qui ne veulent pas aller à l'école et qui veulent semer le désordre en Côte d'Ivoire, il faut les empêcher immédiatement. Parce qu'ils ont fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a une génération qui est là qui veut aller à l'école. Il faut donner la chance à ces enfants qui veulent aller à l'école parce que leurs parents souffrent pour payer leurs études. C'est pour ça, la fois dernière, j'ai été clair. Je ne soutiendrai pas tout mouvement de fessie qui viendra participer à la défiguration et à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Sur ce point, je ne vais pas me laisser faire. S'ils ne veulent pas aller à l'école, c'est leur problème. Celui qui veut faire la politique n'a qu'à aller dans les partis politiques, prendre sa carte de militant, il va faire la politique. Tous les étudiants ne sont pas obligés de faire la politique. Je n'accepterai pas que les étudiants soient pris en otage par des hommes politiques qui ont des ambitions et qui veulent profiter de la fessie. On l'a connu au Mali, on l'a connu en France, nous avons connu ces histoires. La manipulation des étudiants, la manipulation des élèves et étudiants, parce qu'ils savent que c'est le milieu le plus sensible. Il faut jeter les étudiants dans la rue. Je dis bravo à ceux qui sont actuellement là et qui font un effort d'étouffer ce système. Des étudiants veulent les revendiquer. Nous sommes d'accord pour les revendications, mais des revendications dans l'intérêt des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Mais si c'est des revendications politiques, pour être soutenues par les hommes politiques, pour déstabiliser des régimes politiques, je suis désolé. Vous n'aurez jamais mon soutien. C'est mon opinion. Et nous sommes là pour parler, pour éveiller la conscience des Ivoiriens. Parce que cela fait trop de tort. J'ai écouté Doumbia Major, qui était l'un des hommes forts de la fessie. Il a parlé du coup d'État contre Guéï. Doumbia Major a expliqué tellement de choses. Et j'ai vraiment compris beaucoup de choses. Je suis révolté. Je suis révolté. Et je voudrais remercier Doumbia Major. Continue de parler, grand frère. Il faut qu'on explique les choses aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, qui insultaient, qui menaçaient, aujourd'hui, ils ont compris, ils ont commencé à comprendre à travers nos vidéos. Parce que nos vidéos ont commencé à aider les gens à comprendre beaucoup de choses. Ici, c'est la force de la communauté internationale, c'est la force de l'Europe. Plusieurs chaînes de télévision, des canaux d'expression. Pourquoi les gens parlent? Il faut qu'on explique les choses pour que les gens comprennent. Parce que nos populations sont fragiles, nos peuples sont fragiles. Le taux d'analphabétisme est élevé. Les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien. C'est pourquoi je compte sur toi, grand frère. Il faut qu'on dise les choses de façon claire, sans chercher forcément à défendre ou à protéger quelqu'un. Ce qu'on doit protéger, c'est la Côte d'Ivoire et son peuple. Voilà. Et tous ceux qui sont dans ce pays, y compris tous ces étrangers, parce que nous, nous sommes à l'étranger. Et dans les pays où nous sommes, les gens créent les conditions pour que nous ayons la stabilité. Tous les Ivoiriens qui sont en Europe, partout, ici, ils ont la stabilité avec leurs enfants. Donc notre combat, c'est de faire de sorte que chez nous, il y a la stabilité, il y a la paix. Il y a la paix. Voilà. Donc je voudrais dire au ministre Ahmed Bakako, je voudrais dire bravo. Je vais terminer puisqu'il en a parlé de ça. C'est un point important. Mon général, sur l'état-major général, et en disant ceci, je voudrais me retourner vers vous et vous féliciter pour le travail que vous abattez. Discrètement, avec calme, mais avec sérénité. L'armée est en train d'avancer, de faire sa mue, de se transformer. C'est ça l'efficacité. Sans bruit, laissons les bruits à ceux qui ont envie de les colporter.
Concentrons-nous sur notre travail. Nous sommes là pour aider notre pays. L'armée est un outil stabilisateur de défense, de protection du pays. On ne doit pas s'abuser avec. On doit tout faire pour que l'armée soit un bloc. Et chaque jour, chaque matin, nous sommes engagés à faire ce travail-là. Ne goûtons pas les bruits des gens qui tournent autour. Ce n'est pas important. Et j'apprécie votre sérénité, votre engagement pour une armée disciplinée, votre tolérance zéro pour les questions de rigueur et de discipline. Et c'est notre travail. Avant vous, il y avait quelqu'un d'autre. Avant moi, il y avait quelqu'un d'autre. Après vous et moi, il y aura d'autres personnes. C'est le mouvement du temps. Je suis d'accord avec ça. Chaque génération, chacun doit faire sa part. Ça, c'est clair. Notre part, l'armée avait des problèmes. Notre travail, c'est de ramener la paix dans l'armée, de ramener un renforcement dans la relation armée-nation pour que nos compatriotes soient fiers de leur armée et que nos militaires soient contents d'être là. Je vois qu'il y en a qui restent. Ceux qui restent, il faut assumer votre choix de rester. Ça veut dire que vous avez encore l'énergie, la force de continuer dans la discipline. Sinon, si vous voulez de l'argent, c'est l'occasion de venir demander de l'argent, de prendre et de partir. Donc restons une armée disciplinée, solidaire. Moi, voilà mon travail. Faire en sorte qu'ensemble, on se comprenne, qu'on soit à votre écoute, qu'on soit juste envers vous. Et que vos camarades qui savent soient fiers de vous. Que vous aussi, vous soyez fiers d'eux. Voilà les paroles que vous Alors, dites. Ça, c'était... Cette cérémonie. Voilà. Alors, comme je l'avais dit, c'était l'heure de la cérémonie de départ des soldats qui ont décidé de quitter l'armée, qui pensent qu'ils sont fatigués. Ils ont beaucoup servi l'armée et qui veulent reprendre leur vie normalement. Donc, cérémonie de célébration de la Saint-Georges et de départ volontaire des militaires à la retraite. Voilà, ça c'était à Puedo, rue de Benjaville, le nouveau camp. Voilà. Alors, moi, j'adhère directement à ce message du ministre Ahmed Bakayoko. Je l'ai dit, je suis appelé un jour à revenir dans mon pays. Il faut que je retrouve un pays stable, un pays qui bouge, un pays où l'armée est disciplinée, bien organisée. Et c'est ça qui sera ma fierté. Ici, je monte dans les trains avec les militaires. Je monte dans les trains. Bientôt même, je vais commencer à faire des visites dans les camps militaires. J'ai déjà envoyé des courriers. On m'a déjà répondu. Bientôt, je serai là-bas, je vais faire des directs. Vous allez voir comment l'armée vit. C'est une institution bien protégée, bien organisée, bien disciplinée. L'armée ne participe pas au débat politique ici, non. Non. L'armée ne participe pas au débat politique ici, non. Les gens ont connu des moments de violence. Donc, ils ont changé les mentalités de leurs soldats. Ils ont changé les mentalités parce qu'ils ont connu des moments graves. Leurs parents sont morts, leurs ancêtres ont été tués, massacrés. Pour le reste, il faut faire assez d'efforts. Il faut faire assez d'efforts. Ici, la politique, ça se forme. Ici, la politique, ça se forme. Il faut se former. C'est pour ça que l'éducation est la priorité ici. Les militaires sont formés. C'est pour ça que je vais dire à tous ceux qui sont dans l'ombre et qui sautent pour pouvoir mélanger l'armée actuelle. Je vais profiter pour dire à nos soldats, vous avez passé votre temps à servir les hommes politiques. Maintenant, il faut servir le peuple. Il faut servir le peuple, il faut servir la Côte d'Ivoire. Un pouvoir, c'est 5 ans. Un pouvoir, c'est 5 ans. Vous avez le devoir de participer à la stabilité et à la paix dans votre pays parce que dans ces guerres, c'est vous qui mourrez, vous les soldats. On vous oppose. J'ai écouté Mangou à la Cour pénale internationale. Et j'ai compris beaucoup de méchanceté, de manipulation de nos hommes politiques ivoiriens. Que je ne vais plus accepter. Ça, je vous le dis. Et je dis à nos militaires, soldats, officiers et autres, vous n'êtes pas fait pour faire des coups d'État et des rébellions. Ce n'est pas votre travail. Vous n'êtes pas fait pour faire des coups d'État et des rébellions. Ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est la stabilité. Quand la Côte d'Ivoire est agressée de l'extérieur, vous allez défendre la Côte d'Ivoire. Au plan interne, pour donner la sécurité aux Ivoiriens. Participer à nettoyer la ville, à rendre la ville propre. C'est ça qui est votre travail. À éduquer les populations. Parce que ici, au Ghana et autres, il a fallu une armée bien organisée pour mettre les hommes politiques au pas. Le pouvoir, c'est 5 ans. Celui qui veut faire la politique, il n'a qu'à créer son parti politique. S'il n'est pas content de dire que ce soit d'un parti politique ou autre, il n'a qu'à créer son parti politique.
La Constitution nous donne le droit à chacun de créer son parti politique. Il faut sortir des manipulations de la jeunesse et autres. La jeunesse a tellement souffert dans ce pays, il faut donner maintenant la chance à la jeunesse de se mettre au travail. Voilà le vrai débat que nous devons mener. Voilà le vrai débat qu'il faut aujourd'hui mener. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui soutiennent les coups d'État, qui font des vidéos, qui sont contents parce qu'ils veulent qu'on déstabilise le régime Ouattara. Non, on ne pourra plus déstabiliser le régime Ouattara. On a fini avec ça. On a passé notre temps à déstabiliser des régimes. Depuis le temps des Bédier, Guy Robert, Laurent Gbagbo, Ouattara, je pense que ça c'est. Il faut qu'on arrête ces bêtises. Il faut penser maintenant à ce peuple. Aimer le peuple, c'est condamner toute forme de coup d'État et de rébellion. Aimer la Côte d'Ivoire, c'est condamner toute forme de coup d'État et de rébellion. Moi, je vois des gens qui sont là, oui, on aime la Côte d'Ivoire, mais quand il y a des rumeurs de coup d'État, ils sont contents. Quand on veut agresser des pays, ils sont contents. Alors qu'ils disent aimer la Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'on appelle aimer un pays. Quand on aime un pays, quand des gens veulent attaquer un pays, tu dois t'opposer parce que tu es citoyen, quel que soit le président au pouvoir, tu dois condamner le coup d'État. La déstabilisation, tu dois les condamner parce que tu es un fils du pays. C'est ton pays, c'est l'image de ton pays que tu joues. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Il n'y aura plus de coup d'État. Le temps de coup d'État, de déstabilisation haute, c'est terminé. Il faut maintenant qu'on fasse la politique en respectant l'autre qui est en face. Il faut qu'on apprenne à se respecter. La Côte d'Ivoire a besoin de se reconstruire. 20 ans de violence, de haine, de mort, d'humiliation, c'est trop. C'est trop. On ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire de la même manière, non. On n'est pas condamné à aimer tous les leaders politiques ensemble, non. C'est pas possible. Mais on est condamné à respecter nos institutions. C'est ça, un démocrate. Le démocrate, c'est d'abord le respect de ton pays, des institutions qui sont là. Même si tu n'es pas d'accord avec le parti politique ou le président qui est là, mais c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Ici, c'est ce qui se fait. Moi, je ne peux pas vivre dans des pays des blancs, faire des tours en Europe et puis venir me comporter comme un boursa sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas le faire. Comme un analphabète, je ne peux pas le faire. Ça, c'est pas ça mon éducation, c'est pas ça mon combat. Je suis désolé pour tous ceux qui ne veulent pas comprendre les choses. Pour l'amour de Gbagbo, de Ouattara, de Bédier, je vais commencer à participer, à encourager des gens à déstabiliser la Côte d'Ivoire pour tuer encore des innocents. Trop d'innocents sont morts. Trop d'innocents sont morts. C'est pourquoi j'ai dit à notre armée, ne vous laissez plus distraire. Le ministre de la Défense l'a dit, il faut que l'armée et ses chefs soient en complicité. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de grandir. Notre pays est déjà bien parti. Notre pays est déjà bien parti. Nous avons un grand pays. Nous, quand nous sommes ici, et puis on parle des Blancs, on parle de notre pays, on dit voilà ton pays, un beau pays qui est ceci, est beau. Nous, ça nous fait honte. Moi, personnellement, ça me fait honte. Ça me fait honte. Après 40 ans d'indépendance, après 40 ans de clans, on n'est même pas encore mature, on est encore irresponsable. On a encore enfant dans la tête. On ne réfléchit même pas. On n'est pas obligé d'aimer les hommes politiques. On n'est pas obligé de s'aimer. Mais nos lois, c'est pour ça que dans nos pays, il y a une constitution. Il y a des lois. C'est parce qu'on n'est pas obligé de s'aimer qu'il y a des lois. Ah oui, les Blancs ont tout prévu. Il y a la justice, il y a quoi? Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'on n'est pas obligé. Mais on est condamné à respecter les lois. À respecter ton prochain. Quelle que soit ta colère, c'est pour toi sur ta colère. Mais ta colère ne doit pas agir sur la vie de l'autre. Moi, je vois des ignorants ici, sur des réseaux sociaux, qui agressent leurs amis parce qu'ils aiment un homme politique. Moi, je vois des gens qui insultent des gens parce qu'ils aiment un homme politique. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu l'aimes, c'est ton problème à toi. Tu aimes un homme politique, c'est ton problème. Nous, on s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. Oui, un homme politique, il a été élu, il est élu pour 5 ans. On le laisse, il finit ses 5 ans. Pendant les élections, on va dans les urnes, on vote. On dit, tu as fait 5 ans, voilà ce que tu as fait, tu nous fais ton bilan. On va dans les urnes, on vote. Tu es au pouvoir, il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de rébellion, les Ivoiriens ont commencé à manger, il y a eu de l'emploi. Non, tout ça, nous, on fait le bilan. Ici, les populations sont civilisées. Il faut qu'on soit civilisé en Afrique. C'est un problème de civilisation en Afrique. Il faut transformer les mentalités des Africains. Il faut jouer sur les mentalités des Africains. Parce que ce qui tue l'Afrique, ce n'est pas un problème de la communauté internationale. Non. Ce n'est pas un problème de l'impérialisme ou du colon. Parce qu'eux-mêmes ont connu des moments difficiles à certains moments donnés de l'histoire, de leur histoire. Ils ont connu la Première Guerre mondiale. Nous allons l'avoir étudié à l'école. Mais ça fait des millions de morts.
Vous pensez que ces plans n'ont pas connu des moments difficiles? Mais à certains moments, ils ont su s'asseoir. Ils ont créé l'Union européenne. Aujourd'hui, Donald Trump avec Obama, Obama avec lui, Poutine, ils se retrouvent. Pourquoi ils le font? Parce que leurs parents ont souffert à certains moments donnés de l'histoire. En Afrique, après combien? On est encore dans les petites querelles, dans les petites haines. Moi, je connais ici dans des luttes où des grands hommes politiques sont tombés, ils sont morts. Mais la vie avance. Des gens ont perdu le pouvoir, mais la vie avance. Chez nous, ici, là, il y a la justice. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais des gens, aujourd'hui, ce sont sur des chaises roulantes, on est en train de les juger. On est en train de les juger. Parce qu'ils ont tué, il faut les juger, c'est normal. Si des gens ont tué, il faut les juger. Il faut les juger. Pour ça, on n'a pas besoin de rentrer dans des slogans de déstabilisation d'un pays. Matin, midi, soir, réveille, on n'a qu'à déstabiliser Ouattara. On ne déstabilisera pas Ouattara. Oui, on a déstabilisé Bédié. On a déstabilisé Guy Robert. Guy Robert, là, c'est le FPI qui a dit à Guy, il faut aller aux élections. Guy a financé le FPI. Et le FPI a promis à Guy de l'accompagner aux élections. A promis à Guy, allons-y aux élections, nous, on t'accompagne. Les vraies élections auront lieu en 2005. Ils sont là, ils savent. Mais même, ils ont trahi Guy, ils ont blagué Guy. Ils ont blagué Guy. Nous sommes tous des témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, il faut que les gens apprennent maintenant à savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir arrêter les émotions, il faut savoir contrôler vos émotions. Parce que de toutes les façons, vous avez 10 ans d'éjection. Le PDCI, après vous éboigner, le camp Bédié a eu au moins 7 ans d'éjection. C'est pour ça que moi, je ne laisse pas le PDCI me distraire. Parce que je vais revenir tout à l'heure sur le nouveau discours, le nouveau débat de réconciliation. Mais pour le moment, je vais d'abord finir avec cette histoire de l'armée. Et je profite pour dire toujours à notre armée, les armées d'ici là, ils sont bien éduqués. Votre éducation là, ça viendra de vous-même. Vous avez été à l'école. Ceux, et je dis à M. Bakayoko, tous ces militaires qui sont dans l'armée, il faut les mettre à l'école. Il faut créer des espaces de formation, il faut que les gens savent lire et écrire. Parce que dans cette crise, à un moment donné, on a recruté des gens. On a recruté des gens depuis autant de Guy Robert, Bédié jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là, il faut les former. Il faut leur dire, vous êtes devenus soldats. Maintenant, à un certain moment donné, il y a eu des guerres. Il y a eu des problèmes, comme le ministre Ahmed Bakayoko le disait. L'armée a connu des difficultés. Maintenant, il faut réorganiser l'armée, il faut discipliner l'armée. Il faut leur dire que vous avez un défi à relever. C'est le défi de la stabilité pour les générations qui sont là. Nous tous, nous ne pouvons pas être militaires. C'est pour ça qu'on vous choisit d'être militaires. L'argent qu'on vous donne, c'est l'argent du contribuable. Le salaire qu'on vous donne, c'est le salaire du contribuable, c'est le salaire du peuple pour défendre le peuple et non tuer le peuple, retourner contre vos armes contre le peuple et non vous laisser manipuler par des hommes politiques qui sont cachés dans l'ombre, qui veulent toujours déstabiliser la Côte d'Ivoire. On a beaucoup à faire. Notre pays est riche. Notre pays est un pays solide dans l'humour. Notre pays est un pays économiquement solide. Nous avons besoin de financement. Nous avons besoin d'argent pour construire notre pays. Nous avons besoin de participer à la construction de ce pays. Aujourd'hui, on se plaint. Non, les Libanais ont envahi la Côte d'Ivoire. Les étrangers ont envahi la Côte d'Ivoire. Lui-là a vendu la Côte. Mais vous passez votre temps à vous battre. Vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas d'esprit de créativité. Vous ne voulez pas participer. Vous vous raccrochez à la bureaucratie. Votre combat, c'est de vous accrocher à la bureaucratie. Prendre le pouvoir et puis partager les postes ministériels. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça qui fait sa solidité d'un pays. Non. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Tous ces étrangers qui viennent, c'est avec leur argent, ils viennent. Nous passons notre temps à nous battre. Mais ils viennent avec leur argent, ils viennent investir. C'est normal. C'est normal. Le pays a besoin d'avancer. On ne peut pas vous attendre dans vos palabres. Parce que vous faites vos palabres, on va rester l'attendre de bloquer le pays. Alors qu'il y a des milliers de jeunes qui sont là, qui cherchent de l'emploi. Mais les étrangers, là, quand ils viennent là, ils donnent du travail à ceux qui sont là. Ces Ivoiriens donnent du travail. Mais il faut qu'à un certain moment donné, notre génération, nous prenons conscience pour comprendre que nous devons participer au débat national. C'est-à-dire la reconstruction du pays. On doit participer à la construction du pays. On a besoin d'argent. On a besoin que nos banques nous soutiennent. On a besoin de proposer des business plans, des projets pour que l'État nous accompagne. Il faut que les hommes riches investissent dans les pauvres. Moi, je connais encore des gens aujourd'hui qui sont des milliardaires. Pendant que des jeunes sont là, ils n'ont pas d'emploi. Ils ont des idées, ils ont sorti des écoles, ils ont des formations, ils ont des diplômes. Mais il faut mettre des structures en place pour les accompagner. C'est pour ça que je suis d'accord quand M. Bakayoko disait toujours à l'heure, l'argent qu'on vous donne, vous partez à la retraite, vous ne voulez plus. On vous donne 15 millions, 20 millions, c'est beaucoup d'argent. On peut réaliser beaucoup de choses avec. On peut réaliser beaucoup de choses.
Et je suis d'accord que Ahmed Bakayoko propose une structure pour accompagner ces gens. Parce que aujourd'hui ici en Europe, quand tu veux même créer une entreprise, tu veux faire quelque chose, il y a des structures qui t'accompagnent. Pour t'expliquer, ça se fait. Moi ici, là, je vais, je vois. Je regarde, je vais dans ces structures. Je sais comment les choses se passent. On apprend les gens, on les forme. Tu ne sais pas faire comment on dit. Bon, si tu veux faire, tu veux devenir... Parce que quand tu dis, je vais devenir commerçant, ça veut dire le commerçant, ça veut dire c'est ta vie, c'est ta carrière. C'est ça qui va donner à manger à tes enfants. C'est ça qui va préparer l'avenir de tes enfants. Donc, il faut t'accompagner, il faut bien t'organiser pour que tes business demain s'apportent beaucoup. Quand tu n'es pas là, c'est ça, tes enfants vont vivre de ça. Tes enfants même pourront continuer ton travail. C'est ce qui se fait chez les Blancs ici. Il y a des gens qui sont des petits menuisiers ici. Mais c'est des millionnaires. Il est simple menuisier, mais tu vois, c'est des enfants qui roulent dans des grosses cylindres ici. C'est des enfants qui... Moi, je reçois des... J'ai des amis qui viennent me voir ici, des petits menuisiers. Ils viennent chez toi simplement réparer un truc, c'est une facture qui est déposée. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Moi, je ne suis pas en exil ici seulement pour faire des vidéos. Pour... Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour observer. Je suis là, je regarde. Je prends mon téléphone, j'appelle, j'ai dit telle personnalité, je vais te raconter. Je vais faire un petit assaut vieux. Je m'assois, j'écoute, je vais comprendre. Parce que j'ai un rêve pour mon pays. Voilà. C'est pour ça que je dis à ceux qui sont dans les rumeurs de coups d'État et de déstabilisation, que je suis désolé. Il n'aura plus de coup d'État, il n'aura plus de déstabilisation dans ce pays. Et je vais dire au ministre Ahmed Bakayoko, comptez sur moi, un jour je rentrerai dans ce pays pour aller dire spécialement, maître, celui qui se trompe encore dans ce pays pour faire un coup d'État, celui qui se trompe encore dans ce pays pour déstabiliser les institutions, pour que des Ivoiriens continuent de mourir, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison. Oui, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison. Un pays, gérer un pays, ce n'est pas les émotions. Gérer un pays, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Le pays, là, c'est la vie de tout le monde. Tout le monde n'est pas politicien. Tout le monde ne fait pas la politique. Il y a des gens qui sont là, qui sont des hommes d'affaires. Mais ils ne peuvent pas investir dans l'argent et puis matin, midi, soir, vous allez déstabiliser tout ce qu'ils font. Par rapport à quoi? Vous êtes qui? Et puis vous allez encourager seulement le coup d'État, les déstabilisations des régimes. Vous n'apportez rien, vous n'avez rien. Mais tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aller manipuler l'armée pour venir accéder au pouvoir d'État. Et quand vous accédez au pouvoir d'État, qu'est-ce que vous faites? Vous n'apportez rien. Vous venez, c'est pour piller les caisses de l'État, partager les ressources du pays entre vous. Et ce même peuple continue de souffrir. C'est pour ça que je vais dire, mais je continue de dire à Ahmed Bakayoko ce soir. Là où tu es là, c'est un défi hein, qu'on t'a lancé. Si Ouattara t'a mis là, c'est un défi. En tout cas, moi, de là où je suis là, je te suis de près. Tous ceux qui sont là, qui tournent dans ces temps-ci, qui crient, qui sautent, et réconciliation, ces hypocrites-là, ne jouez pas avec, hein, suivez-les de près. Tu es ministre de la Défense, fais ton travail de ministre de la Défense. Monsieur le ministre, parce que là-bas, nous avons aussi nos familles. Nos familles ont souffert à un certain moment donné, à l'Ouest, à Gagnoua, à Korogo, à Bouaké, partout, les Ivoiriens ont souffert. Pour tous ces Ivoiriens, je n'accepterai plus de coup d'État dans ce pays. Je n'accepterai plus de rébellion dans ce pays. Je n'accepterai plus de déstabilisation d'aucun régime dans ce pays. Il faut faire la politique autrement. Il faut faire la politique civilisée. Proposer un projet de société, proposer un programme de gouvernement. Ceux qui ont des idées, qu'ils viennent, on va débattre. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la haine, de la violence, de l'ignorance. Venir exposer vos haines, vos petites colères. Non, nous, on n'a pas besoin de ça, ça ne nous intéresse pas. Tu n'as pas de travail, tu n'arrives pas à te nourrir, tu n'arrives même pas à te vêtir. Et c'est toi qui as la grande gueule, c'est toi qui insultes les gens. Mais nous, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. On veut des hommes de défi, des hommes capables d'apporter un plus à la Côte d'Ivoire et non des hommes haineux. Qu'est-ce que la haine a apporté à la Côte d'Ivoire? Dites-moi. Qu'est-ce que la haine a apporté? Depuis combien d'années nous sommes dans la haine? Mais la plupart des Ivoiriens, regardez dans la diaspora ici, combien d'Ivoiriens qui sont des grands hommes d'affaires? Combien? Ils travaillent tous pour les Blancs. La plupart travaillent tous pour les Blancs. Pourquoi? Alors que nous venons d'un pays très riche, très puissant, économiquement. Mais les Ivoiriens de la diaspora n'ont même pas d'affaires. Regardez les Chinois qui investissent ici, les Turcs et autres qui investissent ici. Mais c'est depuis le pays que ça commence. Ceux qui viennent dans d'autres pays, qui viennent en France, qui créent des emplois, qui quittent dans leur pays avec des capitaux et ils viennent investir dans ces pays où ils sont. Les Ivoiriens, ils travaillent toujours pour les gens. Et c'est eux qui se battent pour des hommes politiques. Et ce sont là ceux qui insultent. Tu vas finir d'insulter impérialiste communautaire. Et puis c'est toi qui vas aller travailler pour eux. Mais il y a un problème.
Il y a un problème qu'il faut corriger dans nos textes. Il y a un problème qu'il faut corriger dans nos textes. Moi, je vois aussi ici les Chinois. Je vois les Japonais. Je vois les Russes, les quoi. Mais ils ne travaillent pas pour les gens. Ils créent des emplois. Ils font rentrer des capitaux. Mais depuis la Côte d'Ivoire, on peut faire rentrer des capitaux pour imposer des Ivoiriens à l'extérieur. Voilà la politique que j'attends des Ivoiriens. Et non, les petites haines, les petites injures, c'est caché, tu insultes, alors que toi-même, tu n'arrives pas à t'occuper de toi. Tu veux liberté alors que tu n'es pas libre. La première liberté, c'est d'abord tes conditions de vie. Il faut savoir il faut travailler. Il faut savoir t'occuper de ta famille. Il faut mettre tes enfants à l'école. Il faut soigner tes enfants. Il faut t'occuper de ta femme. Il faut que matin, midi, soir, il y ait à manger chez toi. C'est ce qu'on appelle la liberté. Mais si tu n'as pas cette liberté, c'est que tu n'es pas un homme, tu es un indigne. Souvent, il n'est pas. Non, la dignité de l'homme, d'abord, c'est dans sa poche et ce qui est dans son compte et là où il dort. Tu n'as même pas de maison pour dormir. À 40 ans, tu vis encore chez les gens. Et c'est toi qui insultes les gens sur les réseaux sociaux. C'est toi qui attends qu'on t'apporte toujours du soutien. C'est toi qui es là qui te bat pour que dans ton pays, il y ait l'instabilité. Il n'y a qu'à avoir coup d'état parce que tu n'aimes pas. Ce n'est pas de ça. J'ai dit que tu aimes Ouattara, tu aimes Babo, tu n'aimes pas Bédé. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ton amour, c'est pour toi seul. C'est pour toi seul. Mais il faut que le pays avance. Parce qu'on n'est pas les seuls. Et c'est ce que le ministre Ahmed Bakako disait. Après lui, avant lui, il y a eu des gens qui étaient des ministres de la Défense. Il faut maintenant qu'on ait cette mentalité. Chacun doit apporter sa part à la construction de l'édifice. Il faut apporter sa part. Et puis on avance. C'est comme ça qu'on pourra construire la Côte d'Ivoire. À un certain moment donné, on s'est battu. Il y a eu trop de haine. Il faut maintenant arrêter la violence. Il faut arrêter la haine. Il faut laisser la justice. Alors donc, chers amis militaires, moi, je serai avec vous. Mon rêve, c'est de voir une armée bien organisée, disciplinée, une armée qui ne participe plus au coup d'État, à l'instabilité. Ici, quand on parle de l'Europe, c'est d'abord l'armée. La stabilité, la paix, la réconciliation vient d'abord de l'armée. L'armée qui ne joue plus le jeu des hommes politiques. La nuit, il ne faut pas les hommes politiques vont vous appeler pour vous dire, bon, monsieur le colonel, je vais te promettre ça, si tu fais ce coup d'État, je te donne ça, quand tu seras temps, tu seras, c'est du n'importe quoi. On l'a fait avec les Doué Mathias. Doué Mathias est mort dans la misère. On a proposé à Doué Mathias, si vous enlevez Bédié, nous, on va prendre, voilà, voilà. Quand Doué Mathias, ils ont enlevé Bédié, Gueye, Doué Mathias est devenu ministre des Sports. Il n'était pas content. Il n'était pas content. Aujourd'hui, Doué Mathias est mort dans la mort, dans la misère. Qu'est-ce que le régime FP n'a pas fait de lui? Ils l'ont humilié. Ils l'ont traîné dans la boue. Alors que c'est les Doué qui ont chassé Guy Robert. Mais ils ont traîné Doué dans la boue. Doué est mort dans la misère. Il n'a même pas pu défendre sa ville. Il n'a même pas pu défendre ses parents. Ses parents l'ont maudit jusqu'à la mort. Alors que ce n'était même pas de sa faute. Ceux qu'ils aiment comme leader, c'est eux qui ont empêché Doué de libérer son pays, sa région. Mais ils sont là, comme de nombreux sont inconscients. Ils sont dans l'émotion, ils sont dans l'ignorance. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux. On vous oppose à vos propres frères, vous les détruisez. C'est méchant, c'est criminel et c'est pas gentil. On divise les Ivoiriens, on oppose l'armée aux civils. C'est du n'importe quoi. Alors moi, je suis là ce matin pour dire aux gens, à l'armée, ne participez plus. La prochaine vidéo, c'est je vais m'adresser directement à l'armée du Côte d'Ivoire. Plus de coups d'État, plus de rébellions. Trop, c'est trop. Celui qui veut faire la politique n'a qu'à proposer un programme du gouvernement, un projet de société aux Ivoiriens. Voilà. Ça, c'est d'abord merci. Et puis, je continue d'encourager le ministre parce que moi, quand c'est bon, j'encourage. 2000 partis, 2000 personnes ne veulent plus, sont partis. Mais où sont partis? L'argent leur a donné le nom, aller travailler à l'argent. Il ne faut pas demain, ils vont venir faire des coups d'État ici, des rébellions ici, aller se cacher derrière des hommes politiques. Suivez-les de près. Et très bien, suivez-les de près. Il faut les sensibiliser. Comme vous leur avez dit, l'argent qu'on leur a donné, ils peuvent devenir des milliardaires avec ça. On commence par quelque chose. On commence toujours par quelque chose. Les grands milliardaires dans ce monde n'ont pas commencé avec des milliards. Mais ils ont commencé avec un peu. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous n'êtes pas les seuls. Vous, au moins, on vous donne l'argent, mais il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont là, qui n'ont même pas, qui ne gagnent rien. Même pour être militaire, beaucoup le veulent. Mais ils n'arrivent pas. Comment ils vont rentrer dans l'armée? Donc, vous, si vous rentrez dans l'armée, que vous avez décidé de ressortir, là où vous partez, là, il ne faut pas, les hommes politiques vont vous récupérer demain. Ne vous laissez pas distraire par les hommes politiques parce que beaucoup de vos amis ont été manipulés, ils sont morts.
Beaucoup de vos normalistes, amis soldats, sont morts dans cette crise. Vous avez perdu beaucoup. Il faut maintenant protéger les survivants qui sont là. Il faut maintenant protéger les survivants qui sont là. Je compte sur notre armée. Je compte sur votre bonne foi. Je compte sur votre détermination, votre engagement pour faire de ce pays un grand pays. Une grande nation. La nation, c'est d'abord l'armée disciplinée, bien organisée. Une armée qui ne joue plus le jeu des hommes politiques. Non. Leur comédie, là, les comédies des hommes politiques, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Ça a trop duré. Trop d'Ivoiriens sont morts. Pour des bêtises. Allez-y, écoutez la vidéo de Doumbia Major et vous comprendrez beaucoup de choses. Il a tellement expliqué des choses que moi, je sais. Je sais. C'est pour ça que je ne vais pas me laisser distraire depuis là où je suis. Qu'on aime Ouattara, qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas ça le débat. C'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui est président. C'est son gouvernement qui est là. Ceux qui ne sont pas contents, qui s'apprêtent pour 2020. Ils n'ont qu'à mobiliser les Ivoiriens, ils n'ont qu'à le convaincre les militaires, les PDC et tout. Et puis en 2020, ils le font, ils leur proposent un projet. S'ils ont gagné, ils vont changer ce que Ouattara. Ce que vous reprochez à Ouattara, si vous gagnez, vous changez. C'est simple, c'est pas compliqué. Ici, c'est ce que les Blancs font. C'est ce que les Blancs font, c'est simple. Pourquoi en Afrique, on a tant de problèmes? On veut être libre alors que dans la tête, on n'est pas libre. Parce qu'on n'est pas éduqué, on ne comprend rien. Moi, mon combat, c'est d'amener les Ivoiriens à comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que Dieu a permis à certains moments de l'histoire que je sois là. Pour regarder, je regarde, j'observe, je visite, je regarde bien. Et je suis convaincu que bientôt, je viendrai parler aux Ivoiriens. Oui, je viendrai parler aux soldats. Parce que c'est ce qui est important. Moi, j'ai des amis qui sont des militaires ici, des officiers. Regardez la police ici. Elle est disciplinée. Ici, on n'insulte pas un policier. Ici, là, on n'insulte pas un policier. En tout cas, moi, où je suis là. La Suisse, où je suis là. Ici, c'est le pays. C'est un état policier, un état bien organisé, un état où, quand on dit discipline, là, c'est ici, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas comme en France. Hein. C'est pour ça que certains en France et moi, on ne s'entend pas. Comme au Ghana. La Suisse, c'est comme le Ghana. Hein. Comparé, regardez le Ghana. Quand, ça dit, de toute façon, le Ghana, là, c'est comme ça que la Suisse. Mais la Suisse a trop pris. Ils sont trop en avance. Un petit pays. Bien organisé, ici là, on n'insulte pas policier. On n'insulte pas policier, on ne frappe pas un policier, on n'arrête pas un policier. Non, ça ne se fait pas. Parce que chacun connaît sa place. Chacun dans un pays doit connaître sa place. Chacun doit savoir occuper sa place. C'est beaucoup important dans ce monde actuel. Alors, disons la vérité, au-delà de nos émotions, de nos colères politiques, ce n'est pas important. Ce qui doit être important, c'est nos populations. Les Ivoiriens veulent la paix, ils veulent la stabilité. Nos parents veulent vivre parce qu'ils ont trop souffert. Il faut arrêter. On a plus de 40 ans. Soyons responsables. Nous ne sommes plus des enfants. Pourquoi on nous manipule à chaque fois? Notre pays a 40 ans d'indépendance. Moi, je connais des enfants ici à 30 ans, ils sont des multimilliardaires. Nous, on est encore derrière les coups d'État, on est encore derrière les rébellions. Mais c'est de l'ignorance, c'est de la. Mais c'est dangereux, ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, j'attends les gens ici qui disent, ah, on veut déstabiliser, on dit Ouattara, parce qu'on veut mélanger les soldats. Maintenant, c'est Ouattara, on dit Ouattara veut faire ça, Ouattara veut ceci, Ouattara. Si tu m'attends ce soir-là, frère, Boaké Rébellion, vous avez créé la statue, beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup de vos frères du Nord sont morts. Ceux avec qui vous avez commencé sont morts. Ne te laisse plus distraire, Ouattara. Si quelqu'un veut te distraire dans les histoires de coups d'État contre Ouattara, il ne faut pas tomber dedans. Vous êtes maintenant des soldats Ouattara au pouvoir. On ne veut plus attendre quelqu'un faire coup d'État. Ne vous laissez pas distraire. Parce que ce n'est pas sûr que ce coup d'État-là, vous allez vous en sortir. Je vous le jure. Celui qui tire le premier va rester dans ça. Parce que la Côte d'Ivoire, les gens ont beaucoup investi. C'est pour ça qu'à Boaké, quand il y a eu les événements de Boaké, moi, je n'ai pas été d'accord. Pendant 10 ans, vous avez contrôlé une partie de la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, John Soré, vous avez fait ce que vous pouvez faire. C'est terminé. C'est terminé. Tu es responsable. Tu es dans l'armée, tu suis ta formation au Maroc, mets-toi à la disposition de ton pays, ne te laisse pas distraire par les hommes politiques qui n'ont pas d'ambition réellement. Des gens qui n'osent pas, des gens qui n'ont pas la carrure, des gens qui se cachent derrière des petits jeux parce qu'ils n'ont pas d'argument. Des manipulateurs, des menteurs qui croient qu'on va les laisser encore tuer les Ivoiriens, mais on ne va pas les laisser tuer encore les Ivoiriens. Non, celui qui veut faire la politique en Côte d'Ivoire, celui qui veut maintenant faire la politique, il n'a qu'à créer son parti politique s'il n'est pas content. Il n'a qu'à créer son parti politique. C'est la liberté, la constitution. Hier, Ouattara l'a dit. C'est lui qui n'est pas d'accord, n'a qu'à créer son parti. C'est lui, d'accord, n'a qu'à être candidat. Tout le monde est libre d'être candidat. Mais de grâce, qu'on ne manipule plus les soldats.
La rébellion est terminée. Il y a eu trop de morts. Chaque régime a pris son coup. Bédi a pris son coup. Gueye a pris son coup. Il est mort même. Père à son âme avec sa femme, qui est ma soeur Doudou. Je suis le seul bété qui se bat pour sa soeur Doudou. Là où d'autres bétés étaient contents quand on la tuait. Maintenant, Babou est en prison et ils sont fâchés. C'est quelle injustice ça. C'est quelle injustice ça de certains bétés. Mais c'est de l'ignorance. Mais nous, on va vous amener à vous réveiller. On va amener à vous réveiller. Le FPI est un parti politique, c'est un parti politique des bétés. Je suis désolé. Je suis désolé. Le PDCI est un parti politique. Ça ne doit pas être un parti politique des baoulis. Il faut faire de sorte que toutes les ethnies se retrouvent au PDCI RDA. Mais aujourd'hui, Bédié veut faire de ça une affaire baoulie. C'est dangereux. On ne peut pas avancer avec ça. On ne peut pas avancer avec ça. Il faut élargir le parti. Aujourd'hui, il faut donner la chance à d'autres ethnies de diriger aussi le PDCI RDA. Il faut donner la chance à d'autres ethnies. Et ils ne sont pas là pour vous suivre. Non. C'est un parti politique. Il faut donner la chance à tout le monde. Il ne faut pas que des partis politiques soient des instruments au service des clans. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je connais ici des grandes villes. Hier, j'étais à Zurich. J'étais hier à Zurich. Mais j'ai vu un pays, une ville développée. Mais c'est des hommes qui se mettent au travail. Tout le monde qui participe. Comment se fait qu'aujourd'hui, jusqu'à 1900, le PDCI est contrôlé seulement que par les baoulés? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les militants de base sont des baoulés? Non, il faut arrêter ça. Tous les baoulés ne peuvent pas vous faire de vous président. C'est pas, je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que la liste électorale actuelle s'est bloquée jusqu'à 6 millions. Mais au Ghana, sur 23 millions, ils ont 11 millions. Ils ont plusieurs chaînes de télévision. C'est qu'ils libèrent la conscience, non, chacun libre de voter. En Côte d'Ivoire, on s'appuie sur nos ethnies. Ça sert à quoi ces gens de politique? Ça ne veut rien dire, ce n'est pas la politique. Parce que c'est ça, c'est ce qui amène les guerres, les coups d'État, les rébellions, l'instabilité. Parce qu'on s'accroche à nos ethnies. Parce que les ethnies ne comprennent rien. On ne les aide même pas à comprendre. On ne fait pas des efforts pour leur expliquer véritablement ce que c'est que la politique. Ils deviennent des instruments à nos services. Et après, on crie à la liberté. On crie à la démocratie. Alors qu'on refuse que nos ethnies se développent dans la tête. On refuse que les ethnies soient libres de choisir celui qu'ils veulent. En fait, des ethnies, des supporters, des hommes politiques. Et c'est ce que le FPI fait. Alors, point 2. Débat sur la réconciliation. Ça, je ne vais pas durer. Parce que depuis un certain temps, j'attends du côté du PDCI RDA, quand il y a eu le problème de parti unifié, il faut libérer les prisonniers politiques, il faut ramener les réfugiés, il faut faire ceci. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà, je ne suis pas un hypocrite. C'est pour ça que Dieu me donne la force de dire ce que je pense. Pendant des années, on est resté hypocrite. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis surpris. À cause de 2020, on demande aujourd'hui la libération des prisonniers politiques. Mais Ouattara dit, il n'y a pas de prisonniers politiques. Que ceux qui sont là sont des prisonniers de guerre. On prend acte, c'est simple. C'est simple. Et un démocrate ne peut pas dire à Ouattara, libère les prisonniers politiques. C'est pas bon. On est une justice. On est une justice. Quand tu te bats, quand tu dis la liberté, c'est la justice. C'est la justice dans un pays qui donne la vraie liberté. Ah oui, dans un pays, quand la justice fait véritablement son travail, tout le monde est libre. Zasso ne peut pas prendre sa voiture, aller faire meeting à Gagnoa, et d'autres bêtés vont venir agresser Zasso. Pourquoi? Parce que Zasso n'est pas d'accord avec les opinions d'Aboudraman Sangaré. Il n'est pas d'accord avec l'opinion de Babo ou de Plegoudé Charles. Alors, on va venir agresser Zasso. On va dire non, comme il a été avec Ouattara, c'est un traître. Alors que Babo a été avec Ouattara. Babo a tout fait avec Ouattara. Tu vois, donc, c'est toutes ces ignorances-là, nous devons corriger. Ce sont des problèmes à corriger qui sont là. Je vois des gens aujourd'hui qui sautent. Il faut libérer les prisonniers pour lui. On ne peut pas libérer quelqu'un. Non. Dans ce pays, on a trop joué ce jeu. Quand à chaque fois qu'un régime se met au pouvoir, il tue, il fait des bêtises. Et puis après, on dit non, il faut les libérer. Il faut les libérer. Allons à la réconciliation. Allons, ceci, c'est de l'hypocrisie. Celui qui a tué, si Ouattara estime et Ouattara dit
C'est lui qui a le pouvoir. Il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Alors prenons nos avocats. Laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Moi, je vis hier, mon frère, un jeune, comment il s'appelle, du FPI, avec qui j'étais un temps en 2010 à Yopougon, quand les gens fuyaient. Les nouveaux gens, comment il s'appelle même? Oh, son nom m'échappe. Il était au Ghana, il était réfugié au Ghana. Mais il a été agressé hier. Parce que les gens ne sont plus d'accord avec lui. Il n'est pas d'accord avec certaines personnes. On l'agresse. Achille Niaouré a été agressé à Gagnon. Tout ça parce que c'est parce qu'on ne laisse pas la justice faire son travail. Mais si la justice fait son travail, la police fait son travail, personne ne pourra agresser son ami pour ses opinions. Au nom de Babo, pour l'amour de Babo que certains ont, ils agressent certains Ivoiriens. Pourquoi? Est-ce que c'est Babo qui l'a mis à l'école? Est-ce que c'est Babo qui l'a mis à l'école? Il est libre de soutenir Babo et puis dire demain je ne le soutiens pas. Mais il est libre, ça est dans nos constitutions. Dans la constitution là, nous sommes libres, nous avons, la constitution nous donne le droit de dire aujourd'hui je suis d'accord, puis demain je ne suis pas d'accord. La constitution nous donne le droit, où est le problème? Il est où le problème? Babo n'est pas au-dessus de tous ceux qui sont morts. Babo n'est pas au-dessus de tous ceux qui sont morts. Non, je suis désolé. Babo n'est pas au-dessus de tous ceux qui sont morts. Babo est un citoyen comme tout autre. Ici, moi, je vois des personnalités, des gens qui ont reçu leur vie que Babo, mais tu les vois ici dans des trains. Alors qu'ils roulent des Ferrari de 400 millions, de 300 millions, mais ils roulent dans des, ils sont souvent dans des trains. On s'assoit côte à côte. Et vous êtes là en Afrique, vous vénérez, vous adorez des individus qui n'ont rien apporté au peuple. Vous agressez Babo pour les gens alors que vous, vos conditions de vie n'ont pas changé. Vous êtes dans la misère, vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas à 10 ans de pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Et vous agressez vos amis. Et c'est à vous qui criez, c'est vous qui criez à vos PDC, ils seront autres son camp, on n'a qu'à aller à la paix. Quelle paix? On vous a dit que les Ivoiriens ont des problèmes? Non. La guerre là, ça a été créé par les partis politiques. Ce sont les partis politiques qui ont créé la guerre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une guerre qui oppose les Ivoiriens. Ce sont les partis politiques. C'est le conflit des hommes politiques. Donc, s'ils veulent se réconcilier, là, ils se connaissent. Ils n'ont qu'à se retrouver, ils vont se réconcilier. Pourquoi vous voulez mélanger votre affaire aux Ivoiriens? Les Ivoiriens sont des victimes de votre mauvaise foi. Les Ivoiriens sont les victimes de votre mauvaise éjection, de votre hypocrisie, de votre méchanceté et de votre amour du pouvoir. Les Ivoiriens sont les victimes de votre amour du pouvoir. Donc arrêtez-vous, j'ai dit, réconcilier les Ivoiriens. Quel Ivoirien? On n'a pas de problème. Et puis nous, les réfugiés, là, laissez-nous tranquilles. Personne ne m'a amené ici pour me dire, non, on n'a qu'à faire revenir. Non, non. Quand on fuyait là, on n'a pas fait appel à quelqu'un pour nous. Vous nous avez laissés dans ce pays et vous tous, vous avez fui. On vous a donné le pouvoir là pendant 10 ans. Vous étiez au pouvoir pour nous protéger. C'est parce que vous n'êtes pas arrivé à nous protéger que nous nous sommes retrouvés là. C'est vous, le FPI, pouvoir là, c'est vous qui étiez là. On vous a donné la police, la justice, la gendarmerie, l'armée, vous avez tout eu. Vous n'avez pas protégé les Ivoiriens. Arrêtez de narguer les gens. Vous narguez les gens pourquoi? Vous narguez les gens pourquoi? Que les réfugiés n'ont qu'à venir, les réfugiés n'ont pas. C'est une obligation. C'est une obligation. Quand moi je fuyais là, est-ce que vous savez comment moi je suis sorti de la Côte d'Ivoire? Le jour où je vais rentrer, j'écris mes conditions, je rentre. Je rentre. Maintenant, si vous êtes sincère avec ceux qui sont au Ghana, dont les conditions sont plus difficiles, mais levez-vous, allez-y les retrouver au Ghana, parlez avec eux, allez-y les soutenir. Les gens souffrent dans des actes de réfugiés. Vous n'avez jamais proposé d'actes pour les soutenir, pour les aider. Maintenant, comme 2020 approche, aidez les réfugiés. Depuis 7 ans, ils souffrent dans les camps, vous avez fait quoi? Vous avez envoyé des tonnes de riz? Vous avez envoyé des médicaments? Moi, j'étais au Ghana. Je sais comment le HCS souffrait avec les Ivoiriens. Le HCS même n'a même pas de financement. Vous avez engagé des diplomaties pour que ces organisations du monde soutiennent les réfugiés ivoiriens. Vous n'avez rien fait. Comme 2020 arrive, parti unifié arrive, les gens veulent avoir des ambitions politiques, on n'a qu'à libérer. On ne va pas libérer quelqu'un. La justice va faire son travail. Ceux qui ont pris les armes, les Sotoussous qui ont eu des tonnes d'armes, nous les assaut, tant qu'on est là, on ne va pas libérer Sotoussous. On va le juger. Il sera jugé parce qu'il n'a pas le droit. Quel que soit l'argument, s'il a aidé Ouattara, il n'a pas aidé Ouattara. Moi, c'est pour ça que je suis déçu de Mamadou Koulibaly. Je suis déçu de Mamadou Koulibaly parce que c'est un intellectuel qui est perdu. Qui est perdu, voilà des gens. Vous, les Mamadou Koulibaly, là, mais vous avez soutenu, vous étiez dans le gouvernement de Guy Robert, un gouvernement issu d'un coup d'État. Mais vous avez soutenu ça. Était prisonnier politique. Sotoussous n'est pas prisonnier politique. Plus Sotoussous a des armes chez lui à la maison. Arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous allez pouvoir jouer des jeux. Non.
Si les armes, on avait trouvé chez toi, Mamadou Coulibaly, qu'est-ce que tu allais dire? Si on avait trouvé ces mêmes armes chez toi, il faut arrêter ça. Tu es un simple citoyen. Qu'est-ce que sous tes protocoles fait avec des armes? Il fait quoi avec les armes? On doit le juger. Il faut que sous toi jugé. Et j'invite le procureur, la justice ivoirienne, le ministère de la justice, faites votre travail. Il faut accélérer la procédure. Il faut que maintenant, on le juge et puis on le condamne. Voilà, tonne d'armes là, ça peut faire coup d'état. Voilà. Toutes les preuves existent, c'est pas la peine de maquiller les choses. On l'a fait avec Soro. Au Burkina Faso, on a écouté John Soro. C'est Soro qui parlait dans la vidéo. C'était Soro, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé au Burkina là, c'était Soro. Aujourd'hui, Soro est président de l'Assemblée nationale. Parce que nous ne sommes pas dignes des Ivoiriens. Dans un pays, quand notre premier responsable de notre Assemblée nationale est impliqué dans une affaire comme ça, il rend sa démission. Il rend sa démission et puis se met à la disposition de la justice. Mais aujourd'hui, Soro se promène, il nargue tout le monde. Il dit, vers tes présidents. On dit, c'est Soro qui va faire un homme comme ça qui est dans les problèmes des pays, en train de participer à la déstabilisation des pays, qui va devenir président en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Moi, je ne serai pas d'accord. Je vous ai dit, le juge se trompe, il dit, les candidats, je rentre en Côte d'Ivoire, je suis candidat aussi. Voilà. Et je ferai tout pour qu'on ne retire pas ma candidature. On va faire campagne. Pour qu'on se respecte dans ce pays. La rébellion est finie. Gbagbo a été arrêté. Brengoudé en prison, tout le monde en prison. Soro, là, il n'a qu'à se calmer. Voilà, il n'a qu'à se calmer. Et dites-lui que Zasso dit, il faut te calmer. Parce que tu n'es pas le seul fils de la Côte d'Ivoire. Tu as déjà eu tout ce que tu pouvais avoir. Présidentiel, là, on ne va pas te donner. On ne va pas te donner. Hein. Pouvoir présidentiel, là, on ne va pas donner ça à Johnson. Voilà, quelqu'un, tu ne peux même pas oser. Tu es là, on n'a qu'à te donner le pouvoir. Toi, tu crois que le pouvoir, on donne ça facilement. Parce que toi, tu as fait rébellion, tu as eu l'argent, on n'a qu'à te donner le pouvoir. Qui va te donner le pouvoir? On va te donner quoi? Toi, tu vas faire, si on te donne le pouvoir, tu vas faire quoi? Tu as eu 10 ans, Boaké, tu as pris nos parents, tu les as torturés, tu as fait quoi? Tu as créé des routes à Boubac. Aujourd'hui, voilà les routes qui sont en train de construire. Ou à 37 ans déjà, il est en train de faire des ponts, des routes partout. Toi, tu as bloqué Boubac pendant 10 ans. Tu as eu un budget de souveraineté de 37 milliards. Nos fous frères ont été égorgés devant leurs enfants en Korogo. Moi, mon grand frère a été égorgé devant ses enfants en Korogo. Vous emmerdez les gens, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous pensez que c'est vous seul qui avez la douleur? C'est vous seul? Il faut que justice fasse son travail pour que tous ceux qui ont commis des crimes soient jugés. Voilà. Qu'on n'a qu'à libérer les prisonniers. On va les libérer pourquoi? Ouattara dit, il n'y a pas prisonnier politique. L'Aboudraman Sangaré qui parle, on a négocié pour les libérer. Les Aboudraman Sangaré qui saute là. Eux là, ils ont appelé Hollande, ils ont envoyé un missaire pour aller voir Hollande. Hollande a appelé Ouattara, il a appelé Ahmed Bakayoko. Ils ont créé des conditions, on a fait sortir Afi, on a fait sortir Michel Babo, on a fait sortir tout. On les a fait sortir. Mais pourquoi ils ne font pas la même chose? Parce que ceux qui sont en prison là, arrangent Sangaré. Ceux qui sont en prison arrangent les gens du PDCI. Ceux qui sont en prison arrangent choses comme on appelle Soro Diom. Il était là. Il est à l'Assemblée nationale, il ne peut même pas prendre des lois. Si tu n'es pas d'accord avec Ouattara, mais prends des lois. Prends l'initiative des lois, c'est toi qui es au Parlement. Tu manipules les gens comme d'habitude, mais c'est Babo tu as eu, mais tu ne vas pas avoir Ouattara. Soro Diom, c'est Babo tu as eu, mais tu ne vas pas avoir Ouattara. C'est moi qui te dis ça. Dis-tu-lui que Zasso dit, c'est Babo tu as eu, mais tu ne vas pas avoir Ouattara. Et je continuerai de dire à Ouattara, il ne faut pas te laisser distraire. C'est pour ça que je parle à Ahmed Bakayoko et au ministre de la Sécurité. Là où on vous a mis là, ouvrez bien vos yeux, ne jouez pas. Les militaires là, ceux qui sont fatigués là, enlevez-les. Donnez-les l'argent, on va les intégrer, il y a des systèmes, mettez des structures en place pour les intégrer. Ils vont se mettre dans les affaires. Et si ils finissent ça, il ne faut plus vont toucher à fusil. Il faut mettre des lois dures dans ce pays, dans l'intérêt du peuple. Parce que c'est ça la dictature positive. Tu as fait des grandes nations. Il y a déjà des dictatures, ils ne savent même pas ce qu'on appelle dictature. Ils ne savent pas ce qu'on appelle dictature. Mais si moi, je dois être un dictateur dans l'intérêt des Ivoiriens, pour qu'il ait la paix, la stabilité, pour que n'importe qui ne fait pas n'importe quoi, mais moi, je suis à l'aise. Pourquoi Poutine, il quitte et puis prend? Pourquoi il quitte et puis prend? Les gens appellent ça dictateur, mais lui, il est conscient, il sait d'où vient ses parents. Poutine sait ce qu'a connu la Russie. Aujourd'hui, il est en train de monter son pays. Hein, c'est un sommet. Aujourd'hui, c'est la puissance militaire du monde. Mais ils ont souffert. Vous pensez que Poutine va se lever comme ça puis venir donner ça aux plaisantins comme ça? Vous pensez que ça? Poutine, quand il a quitté, on a donné ça à Medvedev. Medvedev, on a tué Kadhafi. On a tué Kadhafi facilement. Vous êtes là, dictature. Quelle dictature? Quelle dictature? Quand tu es au pouvoir, fais de sorte que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi. Voilà, les démocrates, on leur a donné le pouvoir. En 2 ans, John Soros a pris une partie de la Côte d'Ivoire. Il est venu prendre les arbres à Boaké.
Il est venu dans nos casernes, il est quitté à Boaké. On dit non, on n'a qu'à les laisser, on n'a qu'à rentrer. Quand ils vont rentrer, là, on va les étouffer. Voilà, ils ont pris les armes de Boaké. Ils ont envahi Boaké. Je ne veux pas qu'on parle. Bon, on n'a qu'à libérer. On va libérer qui? Ils n'ont qu'à les juger. C'est comme nous, on va dire à la justice. Les innocents, là. Les innocents. C'est ce que j'ai dit à la justice ivoirienne. Les innocents, il faut les libérer. Mais ceux qui ont coincé Gbagbo au palais et qui ont voulu faire la guerre, là. Parce que Gueye, là, il est parti du pouvoir. Bédi est parti du pouvoir. Le FPI est descendu dans, ses rues, dans les rues avec ses militaires. Ils ont militants, ils ont dansé. Ils ont sauté dans ce pays. En 2010, on dit non, Gbagbo a perdu. On dit on a perdu. On a dit aux gens, on dit on a perdu, on n'a qu'à partir. Quand Gbagbo chassait Gueye, l'armée française était dans les rues d'Abidjan. C'est parce que l'armée française n'a pas soutenu Gueye que Gueye a perdu le pouvoir. Sinon, Gueye pouvait tuer tout le monde et puis il restait au pouvoir. Voilà. Allez dire ça à Mamadou Koulibaly. Allez dire ça à Sangaré et allez dire ça aux militants FPI. Alors, quoi, on n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. On vous a dit, aujourd'hui, ils sont allés, ils disent quoi encore? Voilà ce que Sangaré dit. Je vais revenir sur le discours de Sangaré maintenant. On va revenir maintenant sur... Alors donc, concernant les prisonniers politiques, moi j'ai déjà donné mon opinion. Laissons la justice faire son travail. Si nous voulons vraiment un grand pays, laissons la justice faire son travail. C'est parce que dans ce pays, on a tellement accepté les petits arrangements que les gens ne respectent plus les gens. N'importe qui fait n'importe quoi. Chacun se dit non, il suffit de manipuler quelques militaires, manipuler la fessie, manipuler quelques personnes, on va créer le désordre en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a refusé que la justice fasse le travail. La vraie réconciliation là, c'est la justice d'abord. L'Afrique du Sud, c'est la justice. Le Rwanda, c'est la justice. Ceux qui ont tué ont été jugés. Ils ont reconnu, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Après, on prend des lois d'amnistie. Alors, dans mon pays, les gens disent, non, on n'a qu'à les libérer. Les gens disent, on n'a qu'à les libérer. Pourquoi? Pourquoi? Donc, moi, demain, Zasso, je prends les armes, je vais à Gagnon, je m'installe là-bas. Ils vont venir me déloger demain. Si moi, Zasso, je me lève, je dis, je ne suis pas content, il m'a m'asseoir de chez moi à Gagnon. Mais demain, là, vous allez voir une armée qui va venir me déloger là-bas. Mais c'est normal. C'est normal. Après, on va venir dire non, on n'a qu'à les libérer, on n'a qu'à demander pardon. Pourquoi on va demander pardon? Quelqu'un a tué, des gens ont tué, on dit on n'a qu'à demander pardon. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont au-dessus de la loi, on va demander pardon. Pourquoi? On a tué des enfants, on a tué des innocents, des gens sont morts. Les mutineries de Boaké ont tué des innocents, ça a perturbé la vie économique de Boaké. Et mais on se lève, on dit non, il faut libérer les gens, il faut pardonner. Pourquoi? Ça sert à quoi ces comédies-là? Comment l'Afrique peut avancer avec ces comédies? Mais c'est du cinéma que vous faites en Afrique. Mais en Afrique, mais c'est du cinéma. On ne peut pas arriver quelque part avec cette mentalité. Avec ce comportement, on ne peut pas arriver quelque part. Le gars se lève, il va tuer quelqu'un. On dit non, on a vu un monsieur qui a pris un enfant, petit Bouba. Pour faire des sacrifices humains, il a tué petit Bouba. Mais vous avez vu comment les Ivoiriens se sont mobilisés? Et maintenant, ceux qui ont pris des armes pour tuer des gens. Ceux qui cachent les armes chez eux, ils font quoi? Ils ont les armes dans leur maison. Depuis que Ouattara a pris le pouvoir, ils disent ramener les armes. Ils ont gardé. C'était pour perturber Boaké, perturber Ouattara, faire du chantage à Ouattara. Et on dit on n'a qu'à les libérer. On ne va pas les libérer. Hein. Ils vont rester là-bas. On va les juger. Moi, je suis pour qu'on accélère la procédure et qu'on les condamne. Pour que dans ce pays-là, chacun connaisse sa vraie place. Voilà. Celui qui n'est pas militaire ne se mêle pas des problèmes militaires. Les civils n'ont qu'à faire leur part, les hommes politiques n'ont qu'à faire leur part, les assos n'ont qu'à faire leur part, chacun doit faire son part, sa part dans ce pays. Il doit rester à sa place. Voilà. Maintenant, on va revenir sur... Parce que hier, chez moi, Gagnon était tous dans ces deux jours-là. Les gens ont pris Gagnon en otage. Ils disent que c'est fête de la liberté sans le fait. Ils ont pris Gagnon en otage. Ils disent qu'ils sont allés faire fête de la liberté.
lorsqu'on leur demande de quelle liberté, ils disent qu'il n'y a pas la liberté. Mais c'est eux qui font fête à chaque fois. Vous dites qu'il n'y a pas de liberté, mais c'est vous qui célébrez toujours la liberté. Alors, j'ai écouté le discours d'Abdourahmane Sangaré à Gagnoua. Ça, c'est le troisième point. Je l'ai lu, le discours, mais je voulais dire Yako au peuple bété. Je voudrais dire Yako à la population de Gagnoua. Yako à mes parents bété, Yako à vous. En fait, on ne vous a pas expliqué qui était Laurent Gbagbo. On vous a fait comprendre que Gbagbo, c'est votre frère. C'est vrai, c'est votre frère parce qu'il vient de la région. Mais les Djedje Madi aussi sont vos frères. Les Djikawiye sont vos frères parce qu'ils sont aussi des bétés. Et ils font partie d'autres partis politiques. Donc, si on veut aller sur cette base de l'ethnie, alors il faut mettre fin aux injustices. Il n'y a pas de bétés qu'on peut insulter matin, midi, soir, qu'on peut menacer matin, midi, soir, et d'autres bétés qu'on va aimer. Ça ne marchera jamais. Parce que Dieu va toujours nous frapper parce qu'on n'est pas sincère. Dieu, là, il va toujours nous frapper parce qu'on n'est pas sincère. On est dans le faux, on ment, on n'est pas sincère tout de même. Notre amour n'est pas sincère. C'est un secret. Moi, je connais des bétés qui insultent des bétés. Qui agresse des bétés, qui menace des bétés parce qu'ils aiment Gbagbo. Parce que pour Gbagbo est bété, il est devenu leader politique. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Agresser d'autres bétés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça? Parce qu'ils sont ceci? Pourquoi? Agresser d'autres ethnies? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? C'est pour ça que je dis je suis pour une justice. Et je suis pour une armée disciplinée et bien organisée. Pour mettre de l'ordre dans ces bêtises. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Gbagbo était, il n'est pas mis. Gbagbo est cet citoyen ivoirien. La constitution donne le droit à Gbagbo de créer son parti politique avec ses amis. Ils l'ont fait. C'est normal. C'est comme moi, demain, ça, je peux me lever et je peux créer mon parti politique. Tous les bêtés ne sont pas obligés d'être avec moi. C'est pas possible. Et moi-même, je vais leur dire non, vous n'êtes pas obligés d'être avec moi. Chacun doit être libre. Je ne viendrai pas au pouvoir pour les bêtés. Je viens pour toute la Côte d'Ivoire, puisque nous avons 63 ethnies. Non, quand on est au pouvoir pour les 63 ethnies. On n'est pas au pouvoir pour son ethnie. Non, moi je connais ici des villes où la majorité est en, mais ils ne soutiennent même pas leurs propres frères. Ta femme est même, elle est d'autres partis politiques. Ici en Europe, ici. En Europe, ici, moi je connais des mères. Il est dans tel parti politique, sa femme est dans l'autre parti politique, et son fils est de l'autre parti politique. Mais ils mangent ensemble, ils discutent tranquillement, ils n'ont pas de problème. Mais c'est ça, on dit, les mentalités ont évolué, c'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça qu'on appelle la liberté. Moi, j'ai invité des blancs chez moi ici. Ils viennent. L'enfant dans les débats, l'enfant contredit son père. Il faut des débats. L'enfant, ça dit que le père, là, c'est lui qui paye ses études. Mais l'enfant, là, il débat avec son père. Il n'est pas d'accord avec son père parce qu'il a son parti politique. Chez nous, les bêtés, là, on va t'agresser. On va t'insulter. Voilà un peuple qui n'a rien compris. Voilà un peuple qui n'a rien compris et qu'on veut toujours prendre en otage. Un peuple qui n'a rien compris, qu'on veut toujours prendre en otage. Quand ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous, les Sangaré? Moi, j'ai écouté le discours des Sangaré. En train de toujours rappeler au bété, Gbagbo a fait la prison à Séguéla, Gbagbo a fait. Ils s'en foutent de ça. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec ça? Ils s'en foutent de ça. Et quand ils vont, vous le peuple bété. Non, vous ne parlez pas, vous ne partez pas à Gagnoua pour parler au peuple bété, Sangaré. Vous partez à Gagnoua pour parler à vos militants. Quand vous allez à Gagnoua, là, parlez plutôt à vos militants, vous ne parlez pas au peuple bété. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête cette manipulation. Pourquoi toujours prendre les groupes ethniques pour les opposer aux autres? Pourquoi vous voulez faire des bétés otages de Gbagbo? Pourquoi les bétés vont être otages de Gbagbo? Gbagbo n'est pas le premier politicien bété. Il y a des hommes politiques bétés que Gbagbo n'a pas soutenu. Il y a des hommes politiques bétés que Gbagbo n'a pas soutenu. Si Gbagbo avait soutenu les Djikawi, il serait au PDCI. S'il avait soutenu les Djedje Madi, il serait au PDCI. Mais moi, je ne comprends pas les gens. Comment mes parents bêtés peuvent aussi borner jusqu'à ce stade? Certains, pardon.
Vous êtes libre d'aimer Gbagbo, c'est votre droit. On l'a soutenu, c'est normal, hein, c'est un moment donné de l'histoire. Mais ça n'a pas marché, il faut dire que ça n'a pas marché. Il est en prison parce que lui-même, il a voulu. Ou bien vous, vous avez oublié dans ce pays. Quand Gueye partait, puis vous, vous sautiez dans les rues, vous dansiez là. Mais c'est comme ça, ça allait se terminer. Donc chacun là doit, chacun, moi, regardez ma croix, je porte moi-même ma croix. Personne ne pourra porter ma croix à ma place. Et j'assume mes actes. Je n'ai pas besoin de faire du mal à l'autre à cause de mes actes. Et je n'accepterai jamais qu'on fasse du mal à quelqu'un à cause de moi, Zasso, jamais. Pourquoi? Qu'est-ce que la personne a à voir à ma vie? C'est un choix que j'ai fait, je l'assume. Si je veux la changer, mais je la change. Ma vie, c'est simple. Pourquoi toujours rejeter la faute sur les autres? Pourquoi? Quelqu'un dirigeait la Côte d'Ivoire en disant à ses parents, gagnants, ils avaient des cortèges, ses parents de roi Gagnon, ils ne respectaient personne, personne ne respectait quelqu'un. Gagnon était la poussière. Ils se sont même réunis. Ils disent non, ils vont faire de Ouragayo au département. Mais ils ont abandonné Gagnon. Le village ici, il y a quoi? Ils ont fait quoi là-bas? Donc, ramenez-les au parti politique. Vous êtes un parti politique, allez-y, vous adressez à vos militants, vous proposez quelque chose. Vous ne pouvez pas aller dire au BT, non, Gbagbo va venir, vous les BT, c'est votre frère. Non, mais il faut arrêter ça. Gbagbo, il est le frère de tout le monde. Il a été président de la République. Mais allez-y aussi à Korogo. Allez-y aussi à Mont. Allez-y aussi à Kong. Allez-y aussi à Séguéla. Pourquoi c'est toujours Gagnon? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours ce peuple-là? Vous voulez toujours opposer au régime qui est là. Pourquoi? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont eu quoi de votre parti politique, de votre régime politique? Vous arrivez au Yopougon aujourd'hui, la plupart des jeunes BT sont dans la misère, sont dans la pauvreté. Les jeunes BT sont dans la pauvreté. Pendant 10 ans de vos régimes, c'est eux qui remplissaient le complexe de Yopougon, le complexe Yessi Diasson. On les a étouffés dans la misère, dans la pauvreté pour faire d'eux des militants. La dignité. On se bat pour la liberté, dans la pauvreté, dans la misère. Venez voir comment les gens se sont battus pour la liberté. Les générations ont mené des combats. Mais aujourd'hui, un enfant de 18 ans, il est déjà libre. Les systèmes politiques ont tout organisé pour que chaque jeune ait le minimum de vivre. Il n'est pas esclave de quelqu'un. Tu parles de liberté. Mais quand tu as fait, tu dois aller demander pardon à quelqu'un. Tu vas soigner ton enfant. Ta maman est malade, tu vas aller t'abaisser demander pardon. Et c'est toi qui es prêt à mourir pour les hommes politiques. Mais s'il y a un problème, ils vont tourner ça à Gagnon. Gbagbo a fait cette prison, et puis quoi? Et puis quoi? Mandela a fait prison, il est bien parti. Il est bien parti. Donc, Gbagbo, toute sa vie politique, il va faire la prison. Prison, 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 et puis après. Et puis après, qu'est-ce que ça a donné? Ces milliers de prisons-là, ça apporte quoi au peuple BT? Que vous voulez tant prendre l'otage? Dites-moi, il a fait prison, prison, et puis après. Venez me dire, et puis après, ça apporte quoi au BT de Gagnon? Ça apporte quoi? Ils ont eu quoi? Gbagbo en prison. Mais c'est vous les cadres du FPI. Mais vous êtes des manipulateurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites. Vous n'avez pas fait campagne de Gbagbo en 2010, là, vous n'avez pas fait campagne. Vous avez pris l'argent de la campagne de Gbagbo, vous êtes allé mettre ça dans des banques. Vous, Elena Dibamba, vos groupes. Aujourd'hui, vous prenez cet argent et manipulez le peuple BT à chaque fois. Pourquoi? Qu'est-ce que le peuple BT vous a fait? Le peuple BT vous a fait quoi? Gbagbo n'est pas le premier homme politique BT. Pourquoi vous voulez que tous les BT jouent au nom de Gbagbo? Pourquoi? Nous, nous avons notre liberté, nous, ce peuple BT. Oui, nous sommes les fils, les dignes fils de Gagnon. Oui, c'est nous. On a notre liberté. On ne nous imposera pas quoi que ce soit. On a fait ce qu'on pouvait faire pour Gbagbo, ça n'a pas marché. Il est en prison. Vous, Sangaré, Afi, asseyez-vous. Asseyez-vous et puis allez-y le libérer. C'est votre parti politique. Ah oui, maintenant, c'est les BT. On pense que c'est notre frère, donc si on doit s'organiser, mais nous, on va demander pardon à Ouattara. Les BT doivent former une délégation pour dire, ah, Gbagbo, tu t'es battu avec ton frère. Ouattara, là, ses parents sont du Gagnon. Ouattara, avant les indépendances, ses parents-là, ils ont maison à Gagnon. Son père faisait commerce à Gagnon. Ses parents sont les premiers qui ont commencé le commerce à Gagnon. Avant même les indépendances. Alors, arrêtez de prendre les gens au sérieux. Gagnon, c'est la ville de tout le monde. C'est vrai, l'Ectini, c'est BT. Mais et apprenez aussi à respecter les tini BT. Apprenez à respecter les BT. En 10 ans, vous avez fait quoi pour les BT?
Venez me parler, je vais vous écouter. Venez me répondre. Qu'est-ce que vous avez fait? Combien de routes vous avez tracées? Combien d'hôpitaux vous avez construits? Combien de jeunes vous avez mis au travail? Combien d'emplois vous avez créés en Gagnon? Même le marché des Gagnon a brûlé sur votre régime. Marché là, vous n'avez jamais construit ça. Vous n'avez jamais construit. C'est un petit groupe de personnes autour de Gbagbo qui se promenaient dans Gagnon là, cherchaient femmes déjà, détruire les foyers de leurs amis, aller dans les villages, enlever les chefs du village, et puis imposer un chef du village qui voulait. C'était une forme, c'était du n'importe quoi. Aujourd'hui, vous voulez prendre les bêtés en otage. On passe ici, les bêtés. Moi, je suis pas de ce genre de bêtés, et je ne serai jamais ce genre de bêtés. Désolé, je ne serai jamais ce genre de bêtés. Que les bêtés sont les traîtres. Ils ont trahi qui, les bêtés? C'est les bêtés qui ont été trahis. Gagnon, là, c'est au fou et qui a construit. C'est un bêté. Mais il a construit Gagnon. Les routes qu'on a, tout ça, c'est fou et qui a fait ça. Vous, vous avez fait quoi? Et puis vous emmerdez les gens. Ici, à Danois, tout ce qui est là, c'est fou et qui a fait ça. Vous, vous avez fait quoi? Oufou a eu 40 ans, vous avez 10 ans, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Ils sont toujours là, toujours en train d'aller à Gagnon manipuler les populations. Gbagbo a fait prison contre Oufou Boigny, les biletins, tant. Mais si Gbagbo a fait prison, mais son temps est passé. Ils vont aller à Gagnon pour dire aux bêtés, souvenez-vous que des chars français, en 2004, souvenez-vous de ces chars français près de la résidence présidentielle. Ils avaient même déjà président Gbagbo dans leur char. Ils avaient même déjà leur président dans leur char. Ils n'ont pas pu faire grâce à la mobilisation. En 2010, vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de ça que les bêtés ont besoin? Aboudrama Sangaré, son camp. Les lobes aux dettes et autres. Vous qui n'avez rien compris, vous qui n'avez rien apporté aux bêtés en 10 ans. Moi, je m'adresse à vous ce matin. Les bêtés n'ont pas besoin que matin, midi, soir, allez dire aux bêtés, voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas leur problème. Non. Si quelque chose s'est passé, allez-y vous asseoir. Vous, là, la France vous a soutenu. Dites aussi aux bêtés que vous, la France vous a soutenu, que Gbagbo était exilé en France. Allez-y leur dire ça. Allez-y leur dire qu'en 2000, là, c'est Gbagbo, c'est la France qui a levé Gueye pour mettre Gbagbo. Allez-y leur dire ça. Que les mêmes Français étaient auprès de Gbagbo. En 2000, quand on chassait Gueye du pouvoir. Toujours manipuler le peuple, s'aimer la haine dans leur cœur. Mais ce n'est pas de ça que les bêtés ont besoin. Les villages bêtés ont besoin de développement. Les villages bêtés ont besoin de développement et de reconstruction. Les bêtés ont besoin de travailler, les bêtés sont pauvres. L'ethnie bêtée, c'est l'ethnie. L'ethnie la plus pauvre en Côte d'Ivoire. L'ethnie bêtée est pauvre, ils ont quoi? Allez-y à Yopougon, dans les quartiers précaires, vous allez les voir. Qu'on l'ethnie de Gbagbo, l'ethnie de Gbagbo, l'ethnie de Gbagbo, et puis quoi? Et puis quoi? À ce 21e siècle, vous êtes dans des débats d'ethnie? Où le monde évolue. Vous êtes encore accroché aux ethnies? Gbagbo, c'est un homme politique, il a fait sa part. Il a fait sa part. C'est sous votre régime que Gueye a été tué. Vous vous êtes levé une fois pour dire que non, la femme de Gueye qui a été tuée, elle est bêtée. Non, mobilisons pour nous pour que justice soit rendue pour elle. Alors que cette femme a demandé pardon. Mais on l'a arrosée, mais c'est sous votre régime que cette femme a été tuée. Elle était bêtée. Mais faites aussi des meetings pour aller dire à bêtée qu'on a tué votre soeur. Faites des meetings pour aller leur dire ça. C'est quoi cette manipulation? Gbagbo en prison, Blegouda en prison, mais c'est ce qu'ils ont voulu. On ne peut pas pleurer pour eux. C'est de grands garçons. Ils ont participé à la déstabilisation de Gueye Robert. Ils savent beaucoup de choses. Non, s'ils sont en prison, ce n'est pas des enfants pour qui il faut pleurer. Ah non, c'est des grands garçons. Les Bogadoudou sont morts, ils ont fait quoi? Ils ont refusé même que la justice, Bogadoudou, la femme de Bogadoudou s'est battue. Pourquoi sous le régime, il y a justice pour son mari? Ils ont dit non. Parce que ça les arrangeait. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on parle. On va regarder vos émotions, on va regarder vos colères. Vous allez toujours prendre votre temps. Mais regardez les gens du Nord. Regardez les gens du Nord. Avant même que Ouattara ne soit chaud, c'est des gens, des peuples bosseurs. Avant que Ouattara ne soit président, les gens du Nord étaient des commerçants, c'était des hommes d'affaires. Apprenez le peuple bêté à se mettre au travail. Aidez le peuple bêté à se développer, à se réorganiser. On va les prendre en otage pour Gbagbo. La première guerre est terminée. La guerre des indépendances, c'est terminé. Au fond, on nous a déjà donné l'indépendance. Grâce à vous, on a connu l'indépendance. On n'est plus dans des débats d'indépendance et de souveraineté. Comment faire pour changer les conditions de vie des peuples? C'est ce qui est important aujourd'hui.
Gueye Robert, il vous a donné 400 millions pour l'accompagner aux élections. Vous-même, vous avez dit à Gueye Robert, allez-y, dis ça au BT. Que c'est nous qui avons dit à Gueye d'aller aux élections en 2000, d'enlever, d'écarter Ouattara, d'écarter Bédier. Baba Mori Ferré vous l'a dit. Baba Mori Ferré, il l'a dit. Ça veut dire quoi ce bordel-là? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les jeunes BT ont grandi avec les fils du Nord. Ils ont connu. À Gagnon, aujourd'hui, ils sont divisés. Ils ne peuvent pas se parler. Alors qu'ils étaient là avant que Gbagbo ne soit président, avant que Gbagbo ne rentre dans la politique, ces gens-là étaient là. Mais aujourd'hui, pour Gbagbo, on les a tous détruits. Ces peuples ne peuvent plus se parler. Ils sont divisés. Gagnon aujourd'hui divisé. Les fils de Gagnon ne peuvent pas se parler. Ils sont rentrés dans la haine. Les fils de Gagnon poursuivent les gens pour les agresser. Au cours des meetings politiques, ils agressent même leurs frères BT au nom de Gbagbo. Mais tu n'importe quoi. Et je ne peux pas accepter ça. Je ne vais pas accepter ça. Je le jure, je n'accepterai jamais ça. Même au prix de ma mort, je ne peux pas accepter ça. Moi, je connais Gbagbo là. Gbagbo dont vous parlez là. Vous parlez de Yacouba Sylla. Vous parlez des autres ici. Mais c'est eux qui lui donnaient à manger hier. C'est là-bas sa maman vivait chez Yacouba Sylla. Aujourd'hui, vous parlez des étrangers. Les étrangers, les lourds ont dettes. Alors qu'elle a fait enfant avec un Burkinabé. Tous les enfants là, leur papa, c'est un Burkinabé. Mais vous, vous partez pousser les BT à se battre avec les gens du Nord. Les fils d'immigrés qui sont là, qui ont tous eu, qui sont les enfants de Gagnon. Vous les opposez. Parce que votre Gbagbo a perdu le pouvoir. Il a fait quoi? Il connaissait la crise ivoirienne. Gbagbo là, c'est Blaise Compaoré là, c'était son ami. Allez-y, dis ça au BT. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand on a pris Blaise Compaoré, on l'a amené à Mama pour faire le chef des rois BT. On a payé Pagne, on a mis sur lui, on dit que tu es le roi des BT. Blaise Compaoré peut être en Côte d'Ivoire et puis vous allez continuer de manipuler les BT. Pourquoi? Quand les rebelles sont partis en Boaké en 2000, Blaise Compaoré vous appelez. Il vous appelle, vous lui avez payé, toi, Boudrama Sangaré, tu étais ministre des Affaires étrangères, tu acceptais d'aller au Burkina. Mais comme vous avez des militants bornés qui ne comprennent rien, qui sont analphabètes, vous laissez mener des débats. Mais moi, Zasso, vous ne pouvez pas mener ce débat avec moi. Aboudrama Sangaré doit me faire son bilan. Tu étais où? C'est le moment, c'est temps d'appeler des militants réfléchis. Mais pas des militants comme des bétails, comme du bétail. Quand des militants sont comme du bétail, ils n'ont pas de vision, ils sont aveugles, ils ne comprennent rien. Normalement, après la chute de Gbagbo, les militants doivent exiger un congrès. Parce que c'est vous qui financez le parti. Vous devez faire asseoir Fi, vous devez faire asseoir Sangaré pour leur poser des questions sur la gestion de Gbagbo. Gbagbo en prison. Maintenant, nous, on veut savoir ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle des hommes libres. C'est ce qu'on appelle des responsables, des hommes libres. C'est ça la liberté des militants. Mais des militants vont me bâcher, ils vont venir danser. C'est comme c'est maïs. Mais maïs, là, c'est ça, on a pris, on nous a mis dans les yeux, là. On a fait poudre, puis on a versé sur nous. Il faut changer. Il faut changer. On va toujours dire les BT honorés. Non, c'est l'œuf et la poule. Laurent Gbagbo dit que la première dame. Bon, c'est quoi ces histoires? Non, nous sommes là. La valeur, raison de symboler. C'est quoi? Et ils vont plus loin au cours de leur fête de la liberté. Ouattara veut organiser les élections municipales qui étaient prévues. Mais vous avez dit que vous n'organisez. Vous n'alliez pas dans l'élection tant que Gbagbo n'est pas libéré. Donc, si Ouattara veut organiser les élections, où est votre problème? Il est où votre problème? Il est où votre problème? Il est où votre problème? Vous attendez Gbagbo, vous prenez vos tabourets, asseyez-vous. Restez sur vos tabourets. Et laissez Ouattara faire ce qu'il a envie de faire. Ah oui. Vous ne voulez pas faire la politique. Vous avez créé un parti politique où des gens ont cru en vous. Ils vous ont suivi. Ils sont tous morts. Nombreux sont devenus réfugiés. Les gens ont tout perdu. Leurs enfants n'ont plus rien. Et vous vous répliez sur vous, vous attendez Gbagbo. Au nom de Gbagbo, vous vous divisez. Vous insultez les gens, vous agressez les gens. Pourquoi? C'était ça le pouvoir du FPI. Mais c'est pourquoi, raison, on comprend pourquoi on est assis là. Mais comme on est assis là, on ne va pas vous laisser nous distraire. On ne va pas vous laisser nous distraire au nom de tous ceux qui sont morts. Et le FPI ne reviendra pas au pouvoir. Je le dis, hein, 2020 là, c'est pour ça que je vais saluer dans ma prochaine vidéo le congrès du RDR et le parti unifié qui sont en train de créer. Je n'étais pas d'accord. Mais je vais soutenir ça parce que vous, on ne va pas vous laisser. Parce que si vous, là, vous revenez au pouvoir, nous, les assos, là, on m'a déjà dit, oh, on dit, assos, si nous, on revient au pouvoir, on va te tuer. Au Ghana, c'est pour ça que j'ai quitté Ghana. Hein. Parce que pour eux, c'est moi qui ai fait que Gbagbo a perdu le pouvoir.
C'est moi qui étais ministre de la Défense de Gbagbo. J'étais son ministre des Affaires étrangères. C'est moi qui occupais un poste important. Partout, je pars, on te suit, on t'agresse, on te menace. 10 ans de pouvoir où eux, ils se sont assis là. C'est nous agresse, c'est nous menace, c'est nous insulte. Et ceux qui ont pris les milliards, qui n'ont rien foutu là, ils dansent avec eux, ils les applaudissent. Mais c'est de l'ignorance. Il faut être analphabète, il faut avoir un nigré, un niveau, c'est-à-dire un niveau très bas pour soutenir ça. Moi, ça, je ne vais pas vous laisser me distraire. Mais le jour, je vous le jure, si moi je rentre demain à Gagnon, là, c'est mes parents bêtés là, je vais ouvrir les oreilles. Je vais ouvrir, et sur les réseaux sociaux, je commence, continue de leur parler. Hein. Je leur dis que moi, là, je suis bêté, comme vous tous. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Le vrai bêté, là, il dit la vérité. Il ne ment pas. Dans l'intérêt, le vrai bêté, il est sincère. Nous, nous sommes les vrais bêtés. Voilà. Je vais m'asseoir devant Gbagbo, je vais lui dire la même chose. Parce que Gbagbo et moi, ce n'est pas un débat de choses. Non. Chez nous, les bêtés, là, ce n'est pas parce que forcément, on s'attend tous. Hein. Non. Non. J'étais là quand Gagnon était dans la pauvreté. Moi, dans les agora parlement, j'ai dit, mais Gagnon, il n'y a pas route. Il n'y a pas route à Gagnon. 10 ans de régime, Gagnon n'a même pas connu de route. Passer par Ndoussi, Lakota, Divo, tout ça, il n'y a même pas route. Et des individus pillaient l'argent des caisses de l'État. Ils volaient l'argent, ils s'enrichissaient comme des fous. On l'appelait des refondateurs. Maintenant, ils vont à Gagnon. Et puis quand ils font leur discours, ils disent bêté. C'est ça qui ne me plaît pas, le peuple bêté. Mais laissez-nous tranquilles. Sangaré, l'Obrignon, laissez-nous tranquilles, allez-y, parlez au nom de votre FPI. Voilà. Ce parti qui n'a aucune vision. Ce parti qui a tué des Ivoiriens. Ce parti qui n'a même pas su protéger les Ivoiriens. Des bandes de plaisanteurs, des comédiens sans vision. Des comédiens sans vision. On leur a donné le pays. 30 ans de jus contre Fou Boigny. En moins de 2 ans de pouvoir, la Côte d'Ivoire a connu des rébellions, des morts, des milliers de morts. Mais comme ils n'ont pas honte, comme ils ne sont pas responsables, comme ils croient que leurs partisans ne comprennent rien, ils jouent le jeu de la manipulation. On n'aime pas. Ils vont à Gagnon pour aller dire au BT, non, nous on ne veut pas de Youssou Bakayoko. Youssou Bakayoko est à la tête de la CEI. Ça, c'est ce qu'on allait dire au BT. Hein. C'est pas lui, c'est celui par lequel... Oui, Youssou Bakayoko est à la tête de la CEI. Ceux qui peuvent le lui dire, ça maintenant, Mikal, qu'il le fasse. Youssou Bakayoko, c'est celui par lequel le scandale est arrivé. Nous ne pouvons pas accepter cela. Quand on est l'homme par qui le scandale arrive, il faut s'effacer. Le bourreau ne peut pas conduire avec l'épandage de l'innocent. Celui qui a fraudé aux élections ne peut pas être président d'une commission électorale. Mais vous êtes des hypocrites, vous êtes méchants. Et c'est ça qu'ils vont mettre dans la tête pour faire croire aux bêtés que c'est Youssou Bakayoko qui est leur malheur. Mais c'est faux. Vous mentez. Mais c'est faux. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. Youssou Bakayoko n'est pas le problème. Parce que moi, j'étais avec vous. Et j'étais là. Quand j'étais même avec Ouattara au premier tour, après les 38%, j'étais là quand vous avez chassé Begré Mambé à la tête de la commission électorale. Parce que vos militants ne se sont pas inscrits massivement sur la liste électorale, vous avez créé le débat de 429 000 personnes, l'Union d'Ette, Abdourahmane Sangaré. Vous avez fait croire aux militants qu'ils ne devaient pas avoir des élections en 2010. Vous-même au cours de vos meetings. Au cours de vos meetings, pendant que les militants du FPI et du PDC se faisaient enrôler sur les listes électorales, vous avez dit à vos militants que les élections ne devraient pas avoir lieu. Il y a eu des problèmes pour ça. Moi-même, Zasso, je suis allé me faire enrôler. Mais quand je suis revenu dans les agora là, on m'a traité de traite, de vendu, qu'il n'y aura pas d'élection, mais il y a eu palabre. Moi, j'ai été frappé pour ça. Pourquoi? Je suis allé me faire enrôler. Mais je me suis défendu. J'ai dit, mais il faut qu'on s'enrôle. Si on ne s'enrôle pas là. Mais si tu ne t'enrôles pas, comment tu vas voter? D'abord, l'enrôlement, c'est d'abord ma carte d'identité. Moi, je dois avoir ma carte d'identité. C'est une priorité pour moi. Que tu votes ou pas, mais moi, je dois protéger mes pièces parce que je dois faire ceci, je dois faire cela. J'ai ma vie aussi. Mais c'est devenu affaire. Des militants du FPI, nombreux, ne se sont pas fait enrôler. Nombreux, même dans les villages.
Mais quand vous partez à Gagnon, dites la vérité maintenant. Aidez ce peuple. Aidez ce peuple pendant 10 ans qui n'a rien obtenu. Les jeunes bêtés sont les plus pauvres. Les filles sont des pauvres. Elles n'ont rien. Parce que vous n'avez pas pu construire quelque chose. Regardez les militants du RDR. Regardez les militants du PDCI. Ils sont solides. Ils sont partout. Les bêtés sont pauvres. Mais ce sont eux qui ont la grande gueule. Les bêtés, c'est eux qui aiment insulter. Au nom des babos. Mais vous les mettant, allez-y prendre un avocat pour lui. C'est la Côte d'Ivoire qui paye ses avocats. Actuellement, son procès est bloqué. Vous les bêtez là. Si vous êtes vraiment ses frères là, allez-y prendre un avocat pour lui si vous les mettant. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye les avocats. Ceux qui sont là-bas, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les paye. Si vous êtes des bêtés, vous êtes sérieux, vous êtes sincères, vous les bêtez là, allez-y dire à Abou Dramane Sangaré. Quand tu as maintenu Gbagbo à la résidence, pourquoi? Tu savais que tu n'as pas fait élection? Dans son village là, lui, il a eu combien de voix? Lui, Abou Dramane Sangaré là, il a eu combien de voix chez lui? Quand Gbagbo était candidat. C'est Abou Dramane Sangaré qui a dit à Gbagbo, il ne faut pas aller discuter avec Blaise Compaoré. Mais le même Abou Dramane Sangaré était là quand Gbagbo, Blaise Compaoré est devenu roi des bêtés à Gagnon. Vous n'avez même pas honte, vous les bêtés. Si Sangaré avait dit à Gbagbo, va dialoguer avec Blaise là, on n'aurait pas connu la rébellion, des bêtés ne seraient pas tués à Korogo. Ce qu'on a tué à Korogo, c'était on a tué des bêtés gendarmes à Korogo. La rébellion, on les a mis à Korogo, au plein marché de Korogo, on les a égorgés. Et vous voulez pas qu'on ne pas, vous voulez qu'on se taise. Moi, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Si vous voulez tuer moi, mais je ne vais pas me taire. Si vous voulez tuer moi, je ne vais pas me taire. Parce que mon peuple, le peuple bêté me fait honte. Ouvrez vos yeux. Si Gbagbo est votre frère, c'est un débat politique. Vous êtes une ethnie. Vous n'êtes pas la seule ethnie en Côte d'Ivoire. Si vous pensez que vous les bêtez, vous aimez Gbagbo, que c'est votre frère. On vous a proposé des solutions depuis que nous sommes en exil. Allez-y, vous voir les rois, chefs coutumiers, vous les bêtez, vous savez comment régler vos problèmes. Moi, je suis enfant de chef du village. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père. Il était chef du village. Je sais comment on règle nos problèmes. Vous prenez vos problèmes de bêtés pour venir déposer ça sur le terrain politique. Vous prenez le problème de bêtés, vous déposez ça sur le problème politique. Sur le terrain politique. Vous n'aimez pas Gbagbo. On profite de votre ignorance, vous les bêtés. On sait que vous êtes bagarreur. Vous avez gros cœur. Vous aimez insulter. C'est tout. Vous savez danser. Derrière ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, j'ai honte de ce peuple. Oui. Réveillez-vous. Vous les bêtés, réveillez-vous. Vos régions sont pauvres, vos villages sont pauvres. Aujourd'hui, regardez comment les gens sont en train de développer leur région. Regardez ce que Ouattara est en train de faire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au nord. Regardez les merveilles. 10 ans de pouvoir en train de danser à Figaro. 10 ans de pouvoir en train de danser dans les meetings. Mais le monde n'a pas besoin de ça. Vous avez oublié que c'est une nation qui est en jeu. C'est la vie d'un peuple qui est en jeu. Mais vous avez transformé ça en un clan bêté. C'est quoi le résultat? Et vous agressez cet imbécile. Vous agressez cet homme, enfants de Gagnon. Pourquoi? Parce que Sangaré vient vous tenir que non, c'est. Non. Youssou Bakayoko n'est pas le mal de la Côte d'Ivoire. Le mal de la Côte d'Ivoire, c'est Abou Dramane Sangaré lui-même. Si vous n'êtes pas courageux, mais je ferai ma vidéo, prochaine vidéo, je vais m'adresser à lui pour ça. C'est pas Youssou Bakayoko, c'est vous qui avez enlevé Begré Mambé. Parce que Begré Mambé était rigoureux, il était ferme. Il n'était pas PDCI. Il voulait démontrer, il voulait organiser des élections propres. Vous avez tout fait, vous avez créé les 429 000 personnes sur la liste électorale. J'étais avec le ministre Cissé Bakongo. Il est témoin, il est là. Quand le ministre Cissé Bakongo nous a appelé, Touré Mamadou est là, pour parler de cette histoire des 429 000 personnes. Le ministre allait voir Begré Mambé, il est venu, nous a parlé. Les gens avaient voulu qu'on organise une manifestation au sein du RDA. J'ai dit non, ce n'est pas une question de manifestation. Devant le ministre Cissé Bakongo est là. J'ai dit au ministre Cissé Bakongo, non. On ne peut pas organiser une manifestation. La commission électorale est composée de tous les partis politiques. Il faut écouter chacun. Asseyez-vous. On ne peut pas faire des manifestations pour ça. Ce n'est pas normal. J'ai donné mon opinion. Claire. Avec courage. Il est là, le ministre est là. J'ai dit non. C'est une commission électorale. On ne peut pas encore revenir dans des conflits inutiles. Il faut que le président de la commission électorale organise une conférence de presse. Ce sont des erreurs, on peut les corriger, puis on avance. On n'a pas besoin de faire du désordre. Mais le camp Gbagbo a fait de ça du désordre. Ils sont là. Ils ont enlevé Youssou Bakayoko. Ils ont pris le décret, on l'a enlevé. Ils ont enlevé Begré Mambé, ils ont enlevé Youssou Bakayoko. Mais Youssou Bakayoko, là, il est parenté à Nadi Baba. Abou Dramane Sangaré, c'est.
Ce sont les Sangaré qui ont proposé Youssou Bakayoko. Aujourd'hui, tu reconnais que Youssou Bakayoko est le malheur de la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes dangereux pour vos peuples. Les hommes politiques ivoiriens, mais vous êtes dangereux. Et vous voulez opposer Youssou Bakayoko aux Ivoiriens. Les Ivoiriens vont tuer Youssou Bakayoko pour vous faire plaisir. Youssou Bakayoko, là, je vais dire à Ouattara dans ma prochaine vidéo, il n'a qu'à rester à la CEI. Il ne quittera pas. C'est un décret présidentiel qu'il a mis là. C'est votre décret présidentiel qui a mis là Youssou Bakayoko. Vous, le FPI, on ne va pas l'enlever. On l'a enlevé Begré Mambé, on ne va pas enlever Youssou Bakayoko. C'est votre décret présidentiel qui a mis Youssou Bakayoko. Il va rester là. Il va organiser les élections de 2020. Il est bien pour organiser les élections, oui. Quand il finit d'organiser, il y a calme. Ah oui, il va rester là. Et je vais soutenir Youssou Bakayoko maintenant. Moi-même, là, je vais rentrer dans ce combat parce qu'on n'est pas des enfants. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des imbéciles. Nous ne sommes pas des enfants. D'autres peuvent jouer vos jeux, mais nous, on ne va plus jouer votre jeu. Vous avez constaté, on vous a dit, allez-y, Babo vous a donné l'argent, allez-y faire enrôler vos militants. Vous êtes restés là. Élection, on va gagner. Vous êtes assis là. Vous pensez que c'est un jeu? Mais les militaires, ils sont allés s'inscrire. Ouattara, là, ils se promenaient. Moi-même, j'étais avec eux. On se promenait pour encourager les militants à se faire enrôler. On a fait campagne. Pendant que vous, vous étiez dans des discours de communauté internationale. Communauté internationale. On va combattre la communauté internationale. On va combattre la communauté internationale. Voilà, la communauté internationale a mis poudre dans vos yeux, piment dans vos yeux. Vous n'avez rien compris dedans. Quand on a posé des actes, quand on s'est mal comporté, il faut reconnaître ses erreurs. Puis il faut avancer. Il ne faut pas passer son temps à accuser seulement que Youssou Bakayoko. Il n'est pas le problème. Mamadou Koulibaly même l'a dit à Paris. Quelle élection dans un pays, et c'est en violation de notre constitution, le fait de supprimer les voix du Nord. Le fait de supprimer les voix du Nord était en violation flagrante avec notre constitution. Ah oui? Et puis Youssou Bakayoko dont vous parlez. Quand l'ambassadeur de la France et des États-Unis ont commencé à le menacer, mais Youssou Bakayoko appelait Laurent Gbagbo. Blaise Goudiala, ce pays, il est témoin. Youssou Bakayoko a appelé Laurent Gbagbo pour lui dire qu'il est menacé. Vous avez fait quoi? Vous avez pensé que ça devait être la même situation comme Guy Robert? Où Guy est rentré dans la colère et puis s'est levé, il a pris les militaires, vous avez profité, vous l'avez déstabilisé. Youssou Bakayoko a appelé le président Laurent Gbagbo. Il dit je suis menacé. Là, il est témoin, mais s'il ne veut pas parler, moi je vais parler. Et quand je vais parler là, c'est à partir de la Côte d'Ivoire que je vais parler. La comédie, c'est terminé. Le cinéma, c'est terminé. Les Ivoiriens sont trop morts. Je n'accepterai plus n'importe quel désordre qui va tuer des Ivoiriens. Jamais je ne vais pas accepter ça. Voilà. Je ne vais pas accepter. Je suis désolé. Moi, je suis ici. Je suis en Suisse tranquille. Voilà. Ici, c'est un pays stable, bien, cool. Je suis là, cool, cool. Voilà. Personne ne peut me manipuler. C'est quand on est pauvre qu'on te manipule. C'est les pauvres qu'on manipule. Mais là où on est maintenant, là, on a eu tellement d'expérience qu'on ne peut plus jouer avec quelqu'un. Que c'est Youssou Bakayoko qui a le problème. Youssou Bakayoko a fait quoi? C'est vous qui l'avez choisi? C'est Nadi Bamba et Sangaré qui ont proposé Youssou Bakayoko à Laurent Gbagbo? Pourquoi vous ne dites pas son bêté? C'est Nadi Bamba et Aboudrama Sangaré qui ont proposé Youssou Bakayoko à Laurent Gbagbo. Youssou Bakayoko n'était pas le choix dans la salle Ouattara de Bédié. Non. Non. Vous supprimez des voix d'une élection dans un pays, pourquoi? Les gens du Nord, c'est pour ça qu'on vous a dit désarmer. Le représentant Laurent Gbagbo a reconnu que le désarmement a été fait. Donc si vos militants étaient agressés, mais demandez à Laurent Gbagbo. Dites-lui, mais président, c'est pour éviter cela qu'on t'avait dit de désarmer John Soro. Mais tu as joué à un Soro. Tu as passé ton temps à caresser Soro. Tu n'as pas fait le désarmement et tu nous as fait croire que le désarmement a été fait. Non, il faut accuser Laurent Gbagbo. Il faut que tu l'assumes. Pourquoi lui, vous le protégez, puis c'est nous vous agresser, c'est nous vous insulter matin, midi, soir. Mais nous aussi, on va se défendre. Parce qu'aussi, on est des fils de la Côte d'Ivoire. C'est le sang de nos pères, de nos mères, c'est le sang de la Côte d'Ivoire, c'est notre père, c'est notre terre aussi. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Vous pouvez nous tuer, faites ce que vous voulez. Mais tant qu'on vit là, on va dire ce qu'on pense. Parce que gagnants là, on est aussi des gagnants. Voilà. On est aussi des gagnants. Oui, on a aussi des gagnants. Moi, je suis des gagnants. Mais au-delà de ça, je suis ivoirien. C'est ça qui est sur ma carte d'identité. Ma mère est bété. Mon père est bété. Mon sang, il est bété. Mais j'ai 500. Mon sang, il est plus ivoirien.
Donc j'ai le même droit que Ouattara, Bédié, Ahmed Bakayoko, Soro Diom, Aboudra. On est tous, on a même droit. Personne n'est au-dessus de son ami. C'est lui qui a choisi, c'est le Dieu, l'histoire qui a voulu que l'on soit président. Je dois les respecter, d'accord. Mais mensonge là, je ne vais pas accepter. Youssouf Bakayoko, même Yao Paul Ndré. Blé Goudé à ce pays. Mais s'il ne parle pas là, s'il continue son petit jeu là, moi, Zasso, il a commencé à parler. Parce qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut maintenant mettre fin à ce petit jeu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pas bon. Les Ivoiriens ont besoin de vivre. Ils ne peuvent pas être otages de nos émotions politiques. Ils ne peuvent pas être otages de notre haine politique. Ils ne peuvent pas être otages de nos colères, de notre ignorance. Ce peuple veut vivre. Ce peuple a besoin d'espoir. Ce peuple a besoin d'espoir. Les jeunes ont besoin de travailler. Les filles ont besoin de travailler. Regardez aujourd'hui la réalité. On va toujours rester dans les palabres. On va toujours rester dans les palabres. Combien d'années on passe le temps dans les palabres? Bagbo en prison, laisse la justice faire son travail. Bagbo était à Korogo. On vous a donné toute la latitude d'aller négocier le non-départ de Bagbo à la CPI. Vous l'avez refusé, vous avez dit Bagbo n'a qu'à aller à la CPI. Il va dire la vérité. Comme si les Blancs ne connaissaient pas la vérité de la crise ivoirienne. Quand vos hommes de politique fuient là, c'est dans l'ambassade des Blancs, ils s'en vont. C'est vous qui connaissez la politique ivoirienne que les Blancs? C'est eux qui investissent des milliards dans nos États. C'est eux qui investissent l'argent, c'est eux qui font les hommes politiques africains. C'est eux qui ont gardé Bagbo en exil. Vous voulez dire aux Blancs que la crise encore devant les Blancs ne connaissent pas. C'est vous qui connaissez que les Blancs. Oh, vous aussi. Vous aussi, les Africains, réveillez-vous. Vous savez combien de milliards les Blancs investissent dans les entreprises en Côte d'Ivoire? Vous, les Ivoiriens, vous avez combien d'entreprises? Les quelques hommes d'affaires que je connais, c'est Jean-Luc Billon, c'est les autres, l'autre Diagou et autres que je connais. Combien d'Ivoiriens qui ont des... Allez-y à Gagnon. Gagnon, les CIB, toutes les petites entreprises sont tombées sous le FPI. Sous le FPI, on a fermé toutes les entreprises de Gagnon. Il n'y avait rien. Gagnon n'avait rien. Oh, c'est Youssouf Bakayoko qui est notre malheur. En quoi Youssouf Bakayoko est votre malheur? Votre malheur vient de vous-même, vous, le FPI. L'égoïsme de vos cadres, vos conflits de personnes. Sous Bagbo, vous étiez dans Palab. Ils sont là, les surcoûts très maîtres. Les choses, ils savent. La voix Stallone, ils savent. C'est qui se passait? Toujours c'est Palab. Bagbo est en train de régler Palab. Si ce n'est pas des problèmes de femmes, c'est Damana Picasse qui se bat à Ebré, c'est des conneries pendant 10 ans. Vous avez perdu le pouvoir, c'est Youssouf Bakayoko. Youssouf Bakayoko a fait quoi? Vous avez fait sondage ici? Vous avez dit sondage là, ça donnait 54% à Bagbo. Vous êtes allé aux élections, Bagbo a eu 38%. C'est votre sondage qui a précipité Bagbo à nos élections. Vous avez pris Bagbo, non, il faut embrasser Soro. Bagbo a commencé à embrasser Soro. Mais Soro même allait voir Bagbo à sa résidence avant d'aller au golf. C'est pour ça que j'ai dit à Soro, il n'a qu'à se calmer. Parce que personne ne va lui donner une chance pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'aura même pas de chance. Il n'a qu'à compter sur moi. Il n'aura même pas d'espace pour faire un coup d'État. C'est Bagbo, il l'a eu, hein, mais il ne va pas avoir Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Moi, je suis ici, je vois les images, j'ai regardé la vidéo de Fadel D, je suis les images du développement actuel en Côte d'Ivoire. Les routes qui sont en train de... C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Pas venir manipuler les populations seulement, mentir seulement. C'est pas de ça qu'on a besoin. Moi, je vois des Ivoiriens qui vivent en Europe ici, les Blancs font mettre tout à leur disposition, ils sont heureux et puis ils sont dans la haine. Votre haine, ça sert à quoi? Mais les Blancs se foutent de vous, ils se moquent de vous. Pendant que ils créent les conditions de votre stabilité, de votre paix avec vos enfants, vous êtes dans la haine pour que dans vos pays, les hommes politiques se battent. Mais c'est une honte. C'est une honte. Ça veut dire que tous les Africains qui sont arrivés ici, ils ne sont pas préparés. Ils sont venus ici, ils ont marié, ils ont eu petit papier, ça suffit. Mais ce n'est pas là qu'elle s'arrête la vie. Les Blancs attendent que vous passez prendre des milliards dans vos pays pour venir investir chez eux. C'est ce que les Blancs attendent de vous aussi, vous les Africains, vous les Ivoiriens. C'est ce que les Blancs attendent de vous. Vous venez vous les étouffer alors qu'ils ont leurs enfants. Aujourd'hui, ils veulent donner du travail. Eux-mêmes, ils ont des problèmes d'emploi. Parce qu'ils sont obligés de vous trouver aussi du travail. Mais voilà les défis qu'il faut relever. Voilà les défis qu'on doit relever. Il ne s'agit pas d'aimer Bagbo. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. C'est dont il s'agit. Comment on fait pour que chaque Ivoirien ait le minimum pour vivre? Comment on fait pour que chaque Ivoirien ait la stabilité, la paix?
Voilà le débat que Zasso veut qu'on mène. C'est sur ce terrain que j'attends les gens. Je n'attends personne sur le terrain de la haine et ni de la violence. Parce qu'on a vu la violence, vous avez tous fui quand il y a eu la violence. Que c'est Youssou Bakayoko, c'est Youssou Bakayoko. Youssou Bakayoko ne partira pas. Maintenant, je vais faire le vidéo ça samedi. Et je vais dire à Ouattara, Youssou Bakayoko, il est bien là, où il n'a qu'à rester là. Il est bien, ne le touchez pas. Il sait bien organiser les élections. Il fait un excellent boulot. Ce n'est pas de sa faute. Les militants se sont pas fait enrôler. Ils ont passé leur temps à danser à Figaro. On leur a dit, allez-y vous faire enrôler. Ils ont refusé de se faire enrôler. Moi, je suis là, ils savent de quoi ils parlent. Ils avaient promis tous, Gbagbo, plus de 50%. Premier tour, Gbagbo a eu 38%. Donc, il faut qu'ils viennent nous répondre. Ils n'ont qu'à venir nous répondre. Pourquoi Gbagbo a eu 38% au premier tour? Ouattara, qui est l'opposant direct, a eu 32%. Ça, c'est notre résultat aussi à nous. C'est pour ça que quand je vois les soroïstes qui parlent, non, moi je ne suis pas un perdant. Moi je suis un grand. Hein. Première participation de Ouattara aux élections présidentielles a eu 32%. Deuxième, derrière, devant le PDCI, il a été deuxième. C'est nous. Voilà, c'est nous, c'est notre travail. Soro, il a fait quoi? Il a apporté quoi? À part sa rébellion qui a tué les gens, il a fait quoi? Lui-même, il doit être devant la justice. Alors. Que c'est Soro qui a fait Ouattara. Soro peut faire Ouattara. S'il peut faire Ouattara, il n'a qu'à être candidat lui-même. On va le voir. Est-ce que vous connaissez à deux solutions même? Et il dit, Sangaré va plus loin. Et à Gagnon, oui. Que oui, la maman de Gbagbo, il va dire au Bété que lui, il voulait sauver la maman de Gbagbo. Et puis les gens ont dit non. Ah, Sangaré, Abou Dawa Sangaré, tu n'as aucun respect pour les BT. Hein. Tu n'as vraiment aucun respect parce que le peuple est désespéré. Les BT sont tellement désespérés que toi, Sangaré, tu vas t'asseoir à Gagnoua pour insulter les parents BT. Toi, on t'a libéré. Donc, si toi, Sangaré, on a négocié, puis on t'a libéré, tu as signé papier avant de sortir de la prison. Tu n'as pas dit que tant que Gbagbo ne sort pas, moi, Sangaré, je ne sors pas de la prison. Tu as accepté. Tu n'étais même pas en prison à Korogo, là où tu étais. Toi, on t'a mis à la PISAM. De la PISAM, là, tu partais même faire des retraits bancaires pour mettre tes enfants à l'école. Toi, Sangaré. Tu partais faire des retraits bancaires dans tes comptes, sur tes comptes bancaires, et tu mettais, c'est la fille qui souffrait dans les prisons. Mais toi qui n'as pas souffert, là, c'est toi qui as adoré aujourd'hui. Toi, tu as coincé Gbagbo à la résidence alors que tu ne comptais sur rien. Quand on dit à son ami, il ne faut pas quitter là, c'est qu'on compte sur quelque chose. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un, ne quitte pas le pouvoir là, c'est que toi, tu as déjà balisé les choses. Personne ne peut faire quelqu'un à la tête. Toi, tu es là, on a humilié Gbagbo. On l'a attrapé. On a présenté Gbagbo aux yeux du monde. C'est la plus honte, c'est la plus grande honte de la vie que Gbagbo n'a pas connue. Ça dit qu'on dit que quelqu'un a connu honte là, c'est ça. Dieu merci, Ouattara ne l'a pas tué. Là où vous avez tué Guéï, Ouattara ne l'a pas tué. Donc toi, Sangaré, là, arrête d'aller mentir au Bété. Il faut aller leur dire la vérité pour dire. Comme moi, Sangaré, j'ai échoué. Vous les bêtez là, organisez-vous, allez-y parler avec Ouattara. Parce qu'il n'y a que Ouattara seul pour libérer Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Moi, je suis ici pour vous dire la vérité. Il n'y a que Ouattara seul. Tous ceux qui sautent là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ah oui, je vous dis la vérité. Tous ceux qui sautent là, ils peuvent rien faire. 7 ans. Aucune liberté provisoire. Aucune liberté provisoire. Ils se font des petits stars, mais ils ne peuvent rien faire. Dites-leur que c'est Zasso qui dit ça. Ils ne peuvent rien faire. Aucune liberté provisoire. Même Simone, même, ils ne peuvent pas. Eux-mêmes, ils vont dire la nuit à Ouattara, il ne faut pas libérer Simone. Parce que tu la libères, sur le terrain, là, elle va venir prendre leur place. Non, chacun se lutte pour lui-même. Hein. Politique, là, c'est un jeu. Ceux qui crient, libérez Simone. Ils ne sont pas tous totalement d'accord. Hein. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites, ceux qui sont là. Ces mêmes hypocrites, leur conflit de Gbagbo, là, c'était sous eux-mêmes, leur propre régime. Que c'est Youssou Bakayoko qui est notre problème. Depuis quand Youssou Bakayoko est votre problème? Que Ouattara veut faire un passage par la force. Ouattara, et il parle, non, la Cour européenne des droits de l'homme impose des sanctions par les pays concernés. Ouattara avait fait, non, ils ont parlé encore de quoi là, qui sont soutenus par quoi? Par rapport à la CEI, il y a la commission de quoi africaine qui a dit quoi là? Mais je les regarde souvent, je dis, mais ceux-là même là, ils viennent de quelle planète même? Ils viennent de quelle planète, les gens du FPI, ils viennent de quelle planète?
Ce sont les mêmes gens de la CEDEAO là qui vous ont dit ici que Gbagbo a perdu les élections. Vous les avez appelés, vous avez fait panel. Quand ils sont venus, vous ont dit libérer le pouvoir, vous avez dit vous ne voulez pas. Tu vois, c'est ça le vrai problème. Des gens, vous avez dit venez envoyer sur le panel. Ils sont venus, on dit non, Gbagbo a gagné. Ils se sont réunis, ils disent non, Gbagbo a perdu le pouvoir, il n'a qu'à quitter. Vous les Sangaré, les Lourinho d'être, vous avez dit non, il ne faut pas partir. Aujourd'hui, c'est les mêmes là que vous cherchez pour venir régler vos problèmes. C'est eux que vous partez, c'est à eux là, vous partez du BT là, que non, la commission des droits des choses de la CEDEAO a dit ou de quoi a dit. Je suis fatigué. Ils disent qu'ils vont aller aux élections en 2020, alors que Gbagbo n'est pas encore libéré. Hein. Ils sont maintenant dans des petits trucs, ils disent qu'ils veulent aller aux élections en 2020. Gbagbo est encore en prison. On pouvait dire que Gbagbo a sorti de Korogo. On pouvait tout faire. Même le président Feu Atamis. Il a dit, mais il ne comprend pas. Des gens, vous avez fait des réconciliations en Côte d'Ivoire. Vous avez amnistié des rebelles. Vous avez tout fait. Aujourd'hui, vous avez perdu le pouvoir. Vous refusez même de dialoguer. Vous, ça vous. Vous qui êtes là, ça vous d'aller dire à Gbagbo, Korogo, où tu es là. Arrange-toi pour ne pas qu'on t'amène à la CPI. Nous, on se battra pour que tu restes à Abidjan. Ils l'ont fait pour Blegoudé. Les quoi, Justin, des bandes hypocrites comme ça. Quand Blé était en prison, personne ne parlait. Hein. Mais quand on dit ils vont extrader Blé net, ils ont commencé à sauter. Si vous touchez à Blé, ils sont là, ils ont pris Ahmed Bakako, l'a mis dans le cortège, il allait le déposer à l'aéroport. Il n'y a pas eu quelque chose, on n'a pas bloqué la voiture, on n'a rien fait. Ils sont allés danser à la justice. Ils sont allés. Non, notre pays est politique, il y a trop d'hypocrisie dedans. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. C'est juste des petits jeux. Sachez que le FPI ne va pas à une élection pour témoigner. Quand le FPI va à une élection, c'est pour gagner. Et toute l'élection est politique. Aboudrama Sangaré, son camp. Youssou Bakayoko de bourreau. En quoi Youssou Bakayoko est le bourreau? C'est vous les bourreaux. C'est vous qui avez la sécurité. C'est à vous on a donné la sécurité. Pourquoi c'est Youssou Bakayoko que vous voulez accuser? La sécurité là, c'est à vous on a confié la sécurité du pays. Youssou Bakayoko n'a fait qu'organiser les élections. Et vous, vous êtes d'accord que dans ce pays, moi, Zasso, j'ai voté, on annule mes voix. Et puis vous, on prend votre voix pour dire vous avez gagné. Mais ça, vous avez un problème dans votre tête, hein, vous là. Des Ivoiriens ont voté. Notre constitution dit qu'on va à une élection, qu'il y a des problèmes là. On annule, après on reprend. On crée les conditions sécuritaires et puis on reprend. Vous avez pris, vous avez calculé. Mais dans les voix qu'on devait annuler, là, il y a aussi les voix de Gbagbo dedans. Il y a les voix de Ouattara, il y a les voix de Bédier. Vous-même, vous avez accepté même qu'on annule les voix de Gbagbo pour aller vite. Mais c'est ce qui envoie des problèmes. Il faut qu'on l'assume. Disons la vérité aux parents bêtés qui souffrent tant. À certains bêtés qui aiment tant Gbagbo et qui souffrent et qui ne comprennent pas. Puisque vous, les partis politiques, vous n'arrivez même pas à les libérer. Donc dites la vérité aux bêtés. Les bêtés vont savoir faire ce qu'ils veulent. Ils vont aller demander pardon à Ouattara, comme le fait en Afrique. Ils vont former une délégation. Vous, les politiques, vous voulez que la justice... Mais la justice fait son travail. Moi, je ne suis plus là pour pleurer derrière la Cour pénale internationale. C'est un procès. Ils n'ont qu'à faire leur procès. Je ne me prononce plus sur ça. Est-ce que vous me voyez maintenant, il parle de procès, ces pays. Je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en réalité, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ceux qui sont en prison là-même ne savent pas ce qu'ils veulent. Le jour où ils vont sortir, je vais leur dire la même chose. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Des gens qui ont dirigé ce pays, qui m'ont parlé, que j'ai écouté. Mais aujourd'hui, là, regardez là, ces pays. Ils ne font pas d'efforts pour s'ouvrir eux-mêmes. Mais se sont mis dans un petit clan. Et c'est des petits clans de personnes qui sont derrière eux. Des gens, vous avez été au cœur d'un système à un certain moment où des gens sont morts. Et c'est des petits plaisantins qui vous distraient en Europe ici. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Vous avez créé des partis politiques, mais faites de sorte que vos partis politiques participent véritablement au débat et que vous ayez les moyens. Moi, j'ai mal que c'est des gens qui cotisent aujourd'hui pour soutenir le FPI, pour soutenir le COGEP. Et des grands partis, des grands mouvements politiques dans ce pays qui ont fait la réconciliation. Et je dis, vous êtes pris en otage par des petites personnes, par des clans de personnes. Mais c'est un manque de vision. Ça veut dire que vous êtes foutu du peuple. Vous êtes moqué des Ivoiriens.
Aujourd'hui, ces gens n'ont pas de respect. Vous les voyez maintenant, ça dépile dans ce pays. Ça y est dans des petits jeux. Ils croient que nous sommes dans un monde de comédie ou de cinéma ou quoi. Là où des leaders, des gens qui vous aiment sont nombreux, sont sur le terrain en train de souffrir. Ils veulent vous voir et vous jouer avec vous-même. À ce 21e siècle, c'est les jeux d'intérêt. Dans un pays où on est en train d'investir des milliards sur des milliards, vous n'avez personne dans ce monde. Aucune relation. Personne. On n'a plus Blé Goudé. J'ai tout fait. J'ai parlé au grand frère de Blé Goudé. J'ai parlé à Joël Poté. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Un jeune, il a lancé pays. Il se débat. Bensouda a fait ça. Bensouda est comme ça. Bensouda n'a pas ceci. Et puis Bensouda dit il n'y a pas d'argument. Et puis c'est comme ça. Et puis ils sont dans ce jeu. Et puis on est dans 7 ans. Quand moi je regarde ça, je dis qu'il faut passer à autre chose. On a assez à faire. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. 2 heures de vidéo, c'est trop. En tout cas, courage à vous. Le destin de notre pays se trouve dans nos mains. La paix, la stabilité viendra de la volonté de chacun d'entre nous. La réconciliation, les Ivoiriens n'ont pas de problème de réconciliation. Si des gens doivent se réconcilier, ce sont les hommes politiques, parce que ce sont les hommes politiques qui divisent les Ivoiriens. Donc on arrête de distraire les gens avec ces histoires de réconciliation. Parce que les hommes politiques qui sont réconciliés, quand ils ont des problèmes, là, ils se trouvent la nuit, on leur donne des billets. Les gros cylindres qui roulent là. Regardez les cortèges d'Aboudraman Sangaré. Qui finance tout ça? Qui finance? Tous ces gros cylindres-là, qui finance? Ils n'ont qu'à nous dire. Ils ont tout fait en compagnie Blé Goudé à la CPI. Maintenant, on manipule les pauvres militants du COGEP qui ne comprennent rien. Parce qu'eux, ils ont été complices. Ils ont profité des émotions, de l'ignorance de certains cadres de COGEP, de leurs petits colères, des petits problèmes de personnes. On a pris Blé, on l'a déposé à la CPI. Maintenant, il est pris en otage par un petit clan. Tu vas voir, mais ce sont ses parents bêtés qui sont à la tête. Et quand vous voyez, ce sont des problèmes partis politiques deviennent des affaires d'ethnie. Les autres ethnies ne peuvent plus réfléchir. C'est les ethnies, c'est ça. Ça veut dire que c'est leurs parents, c'est devenu affaire des parents. Dans un pays, des gens qui ont gouverné un pays où des gens sont morts. Des gens qui ont fait des meetings, des grandes choses, des caravanes de la paix. Un leader, aujourd'hui, il a lâché le pays. C'était à soi en global. On reviendra la prochaine fois sur le congrès. Le congrès hier du RDA qui s'est déroulé au Palais de la Culture. Alors merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont restés connectés pendant 2 heures du temps. Ça fait quelques jours que je n'étais pas là, mais j'ai décidé de réduire maintenant le temps des vidéos. Vous verrez que la prochaine fois, c'est des vidéos de 30 minutes que je vais mettre à faire. En tout cas, moi, ces assauts, voilà, ces assauts que vous connaissez, il est le seul que vous connaissez, le seul qui peut vous dire les choses de façon claire. Voilà, parce que moi, Dieu a permis qu'à un certain moment donné, je sois là où je devais être. Dieu a permis que je sois au Ghana. Je suis venu, j'ai fait Suède. Je suis parti en Suède, j'ai vu. Je suis allé au Danemark, je suis allé en Italie, je suis allé en France, je suis allé en Allemagne. Je me suis promené un peu. Non, aujourd'hui où je suis là, je ne peux pas me comporter comme un broussard. Je ne peux pas. Mon combat là, c'est que j'ai vu ici là, c'est d'aller apprendre ça à mes parents, que la politique là. Voilà ça. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas palabre, ce n'est pas haine, ce n'est pas injure. Non. C'est nos conditions de vie. Quand on a fait un malade là, tu n'as pas besoin d'aller t'incliner devant quelqu'un. Tu prends ta carte. Ou bien on appelle l'ambulance, on vient te chercher. Tu prends ta carte et t'en te fais soigner. Tu n'as pas besoin d'insulter le djoula la nuit et puis dans la journée, tu as fini d'insulter les pro-watra. Puis la nuit, tu as dit, ah frère, vraiment tu as raison, mais mon affaire est malade. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Après, demain, on reviendra sur le congrès du RDA et le Parti Unifié. En tout cas, je vous adore. Je vous adore. On a ensemble.